Ah, là vous me ressortez les bonnes vieilles citations. Ah, alors, est-ce qu'on aura un record du monde dans les bébés qu'on va choisir? Mystère. Mystère, mystère. Les bébés. Voilà. Quasiment une citation par an pour toi. Oui, bah fan me loupe pas. Le temps de préparer le dîner. Bon dîner, bon week-end, Saul. Merci à toi d'être passé, c'est très gentil. Oui, tu te déclares en retrait. Ouais, bon dîner à toi, bonne popote. Oui, moi ça va être une bonne mousse et une bonne bière. Ah, oh, c'est dommage que Aéro, je pense, c'est ouais, bouffé au niveau des nerfs et fatigué le pauvre qui se repose et ah, ce n'est que partie remise comme on dit. Heureux, Christella. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai un nouveau fidèle, Sasuke. Bonjour et bienvenue. Merci, Sasuke. Bienvenue, bienvenue. Mon Dieu, j'avais oublié des choses que j'ai pu dire hors contexte, c'est très bizarre. Tac, 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 tac. Oui, très bien, FunFan. Oui, merci. Oui, effectivement, Edge, tu peux relire toutes mes citations au lieu de les mettre au pifomètre dans le chat. Tu peux relire tout le tableau. Ouais, c'est bien foutu à ce niveau-là. Alors, les bébés, les bébés, les bébés, oh les bébés, oui, les bébés. Oh, allez, on se fait un grand prix de 16. Hein. Allez, hop, c'est la fête. Maintenant, on n'a plus d'heure. Il est quoi, 18h30? De toute façon, je suis censé rendre l'antenne à 20h à FunFan. Merci tout plein pour cet acte de fidélité à la chaîne. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue, 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 bienvenue. S'il y en a dans les classiques qui vous font plaisir, allez-y. Mais je pense qu'on va basculer assez rapidement sur les communautaires, histoire d'avoir potentiellement des records du monde à battre. Vous êtes en droit de voter si le cœur vous en dit. On dirait fait une comédie, pas spécialement fait rire, à part quelques gags, mais sinon j'aime bien l'histoire, un peu de romantisme, sans être toujours à ce niveau-là, bon film sans plus. Bon, apparemment vous êtes très enthousiaste à voter, nous allons donc passer à la commu. À la commu, poilu. Ah merde, il y a eu un vote 36. Donc du coup, je pense que ça correspondait pas à ce que tu voulais dans la commu. Tu voulais le Cords of Power. Je te l'ai mis, Olive. Je te l'ai mis, je te l'ai mis. Bastos, si vous voulez la 7, la Twist and Turn. Alors allez-y, je vous laisse voter encore. Allez-y. Il y a la Eyes of the Storm, because 11, hein, parce que c'est le nombre 11, un favori de FunFan. Allez-y, allez-y. Je vous ai pas laissé assez de temps avec le décalage à la noix que j'ai. Voilà, tu veux le 22. Allez-y, allez-y, allez, 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 bourrez les votes. Voilà, Sasuke qui s'y met. 17, c'est bien. Merci Sasuke de participer. Olive qui dit disable. Oui, si tu veux. Autodestruction, allez, balancez tout. Fais-vous plaisir, c'est moi qui régale. Oh mon Dieu. Aïe, 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 aïe. 32, vous aimez bien aussi. Allez-y. Ah là. Ah non, j'ai remonté la puissance. C'est pas ça, c'est la Rusty Remnant. De nom, je sais même plus ce que c'est, la Rusty Remnant. Bah, ton vote a pas été pris en compte, Sasuke. Pourquoi? Attends, je vais la mettre, hein, Sasuke. T'inquiète pas, je l'ai vu. T'as eu du bol, je l'ai vu, mais j'ai pas compris pourquoi le jeu te l'a refusé. 44 pour être gel à Frozen. Bon, je vous la mets. Je regarde. Hein. À croire que vous avez le droit qu'à un vote par participant. 54 Bastos. Il veut la Haunted Hills. Ok. Sasuke aimerait la 47, la Twist Tumble. Ok. On peut rester sur les classiques. Vote Pierre Troutman. Il n'est pas avec nous, Pierre. Oh, non, il doit être claqué parce qu'il bosse tellement. Souvenez-vous quand il s'était manifesté sur mon antenne, Pierre Trudeman, qu'on embrasse, et il disait que là, il avait une troupe de 6 salariés à diriger,
Et il pondait des vinyles à tour de bras. Et il bossait je sais plus combien d'heures par semaine. Et il était complètement submergé. Alors Olive qui dit, oui, c'est pour supprimer les chuchotements de ton Westbot. Non, je l'ai programmé pour être bavard comme moi. Il est à l'image de son créateur. Vote pour la légalisation du LSD de Nancy. Oh, bastos. C'est malin ça. Vote 2 pour Sasuke. Alors Sasuke, il voulait le 2. The Boomerang. Ah, c'est la course en. Pourquoi pas? Je suis pas friand des arènes courses, mais de temps en temps, c'est un peu l'épice qu'on rajoute dans ses frometons ou dans son apéro, histoire de s'offrir une nouvelle variante gustative. Alors attendez, je vais me prendre deux cartes, je retire les votes, là. C'est moi qui choisis deux prout-prout de la communauté. Il n'y a même plus ma favorite à moi. Ouin. Comment ça, égalité? What the fuck? Mais non, mais qu'est-ce qu'il me fait, lui? Il est fou. Non, mais je veux la mienne. Moi, j'avais créé une carte. Bah, ne me dis pas qu'il l'a détruite. Attendez, je fais une enquête de base de données de Bibi. Bah. Oh, vilain jeu. Grrr. Bon, bah tant pis. Are you sure to want to visit your seven list of played community? No. Excusez-moi. Alors, les dernières en date qui sont sorties. Taux d'élimination. Non, je veux pas de l'élimination, c'est vilain. J'aimerais que tout le monde rallie l'arrivée. Ouin. Brip. On va faire une carte de Gérard. Brip. Bon, allez, Zou, on a notre Grand Prix. On a 16 courses, on se lance. Oui, mon pauvre Jet, un vilain Covid. Oui, non, mais je comprends ta douleur et ta rage d'être contaminé. Oh mon Dieu, attendez. Placez vos bibis, point d'exclamation, vote. Je me joins à vous. Bob Morlock a le record local sous les 2 minutes en 1,54 prout-prout. Allez-y, vous avez 1 minute pour placer votre bébé. Merci à vous de jouer, c'est sympa. Est-ce que j'ai encore besoin de mon clavier pour faire des saisies textuelles? Je crois que non. Je vais donc le reposer. Ma petite mousse d'ici 1 heure et demie. Alors, je sais pas si j'osais la siroter devant vous. Ou alors discrètement avec une paille. Façon. Enfin, j'allais dire. Non. Si vous êtes à table, je vais vous dégoûter. J'avais une image en tête, mais Burke. Bref. Oh, hé, on est nombreux. Oh, ça fait plaisir. Il y a combien de bides alignés là? On est 10 au moins. Oh, c'est cool. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué aussi nombreux. Ah, oh, youpi! Youpi, youpi! Je vais commenter une course de qualité. Ah, mon doigt va appuyer sur une valeur au hasard au clavier et pan! Et ça marche pas. Ouais! Je veux suivre quelqu'un. Ah, Bastos. Merci. Oh, c'est parti. Le jeu de Bibi qui vous fait perdre la bouboule. Vous aussi, vous aimez ça. Oh, c'est hypnotique. J'ai l'impression d'être un félin. Un félin de salon qui joue avec son laser ou une ficelle. J'adore ça. Oh, tu prends la tête momentanément de la course, Bastos. Tout te sourit depuis 1 heure, au moins. Bravo, GG à toi. Attends, c'est une classique là, tu sais, turn? Je m'en souviens même plus. Bah oui, je suis débile. J'ai un record local, c'est qu'on l'a déjà fait sur mon antenne. Ouch, attention, je donne un coup de genou au micro, pas bien. Alors, oh, le record mondial est assuré par un Japonais, Akira Yashimoto. C'est stylé.
Di-da-di-da-di-da-dou. Pas mal la texture mauve du tracé. Oh, alors que Nashevman a pris le commandement de la course. Oh, oh, oh. Encore que je trouve qu'il y a eu un beau chuté de la bille à Bastos dans l'entonnoir. Ah, tu as potentiellement repris la tête de la course, Bastos. C'est dingue comme un jeu de bibi peut être captivant. Sur le papier, ça a l'air débile, mais quand t'es à fond dedans, c'est extra. Il y a un peu le même principe qu'une course automobile, en fait, au niveau suspense. C'est en partie pour ça que j'adore ça aussi. Wow. Ça m'a fait du bien de retrouver, vous savez, ce matin, Gran Turismo 3. Ça m'avait manqué. Ça m'a requinqué d'avoir réveillé mon gène vroom vroom. Mais cette fois-ci, compète auto, hein, pas camion. Mais les deux me font tout autant plaisir. Bon, bravo, Bastos, tu vois, t'as remporté la course là. Christella, j'ai pas regardé vos chronos, je sais pas si le record a été battu, on va le voir après. Donc Bastos, Christella, Tunsen, vous faites le podium. Suivi de Nashevman, moi-même. Il y a AG Club qui arrive, Fun, Sasuke, il manque plus qu'Olive. La petite Olive est demandée à l'arrivée, voilà, elle est arrivée. Donc c'est bien, il n'y a pas de perte. Oui, Bastos, nouveau record local en 1,52,9. Tu détrônes Bob Morlock et son 1,54. Bah, c'est bien, tu le bats de 2 secondes. GG, Bastos. Qu'est-ce qu'il y a? Super Dragon B, dit Sasuke. Oh mon Dieu, il se passe des choses. J'ai entendu une alerte de chaîne. Placez vos bibis, les gens. S'il vous plaît. Point d'exclamation. Play. Oh, Sasuke au taquet. Ouk, premier inscrit. Alors, attendez, je vous lise. Oui, le prof doit rester chez lui, on le plaint. Blablabla. Une bière avec une paille. Oui, une paille métallique, tu sais, dans la... Oui, je comprends que ça puisse être un sacrilège. Dans la canette de métal. C'est pour éviter l'urine de rage. J'avais déjà expliqué pourquoi. Le EJ, il a le Covid, mais il a gagné une semaine de vacances en plus. Oui, aussi. Bon, c'est bien, tu vois bien là où il y a le mal aussi, mais non, mais je te souhaite que tu sois pas trop secoué par le foutu virus. Oh, 11 inscrits. Tiens, il y a quelqu'un qui est arrivé, tant mieux. Baltisore. Bonjour. Merci et bienvenue tout à plein pour cet acte de fidélité à la chaîne. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue. 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 Ah. Alors que je sais que j'ai un décalage d'une seconde pour pas me laisser surprendre justement dans mes jeux de course entre l'action que vous faites, l'alerte qu'il y a quelque chose et mon truc graphique, l'alerte que vous venez de voir à l'écran, alors que je le sais très bien, je me suis laissé impressionner quand même et guaqué par ma propre annonce. Bien fait pour ma tronche. Record local détenu par Dragon Sky en 1,40. On va voir cette Baptiste. Oh, Baptisore, bienvenue. Et oh là, privilège d'une icône particulière. Je devine que tu es un aficionado, c'est de la discipline des bibis. Toi aussi, tu es devenu accro au jeu à en perdre la boule. En tout cas, bienvenue à toi. C'est gentil à toi de te joindre. C'est cool, plus on est fou, plus on rit, comme on dit. C'est fort sympathique. Autant prendre un verre. Écoute, je vais peut-être prendre un verre tout simplement, Nashevman, quand je vais savourer ma mousse dans quelques minutes. Oui, oui, oui. Fesse palme. Quoi? Nashevman de terre. Fun, mais ça va pas, non? Je comprends le fesse palme de Nashevman. Oui, bonsoir à tous, nous dit Baltisol. Oh mon Dieu, mon angle de caméra est pas bon. Oh! C'est votre maître de cérémonie, humble serviteur, qui est en tête pour le moment. Pour le moment. Ça va peut-être pas durer. Ah, je suis mort. Voilà. Voilà, c'est fini. Ma bille est tombée dans les limbes. C'est bien fait. Da-di-dou-di-dou-di-dou-da-dou-di-dou-dé. Oh, le carnage, il n'y a plus de Fun x2, il n'y a plus Nashevman, il n'y a plus Bastos, il n'y a plus Sasuke. 5 en course restent, Twinsen, Christella, Edge Club, Baltisol et Olive qui tue. Bastos nous dit, pour ma part, j'ai déjà décapsulé une mousse avant le repas et le direct. Bonne mousse à toi, t'as bien raison.
Alors vous me donnez envie, je vais pas tarder à m'y mettre là. Je sens que je vais me précipiter sur ma mousse. Puis je me ferai la pizza plus tard quand on sera sur le direct de FunFan avec X-Files. X-Files ce soir chez FunFan. Et en plus j'aurai des choses à vous dire. Oh, tu es... Oh, Olive qui est tombée, mince. Alors, premier Twin Sen, deuxième Olive. Je... Le record local n'est pas battu. Vu le chrono monstrueux, là on est à plus de 2 minutes. Alors, qui va compléter le podium? Edgy Club ou Baltisore? Nous avons un duel au sommet. Oula, oula, je crois que tu vas choir au pied du podium Edgy Club, mais tu n'auras pas démérité vu le nombre d'éliminations qu'il y a eu là, c'est la violence. Voilà. Twin Sen, Christella, Baltisore et Edgy Club, que dire? Qu'est une scène en 2 minutes, oui, non, on est à 20 secondes du record local et à quasiment 40 du record mondial. Oui, la boomerang, je sais plus qui c'est qui avait voté pour la boomerang, on va la faire tout à l'heure, là, l'espèce d'arène en forme de L. Allez-y, point d'exclamation, play, pour placer votre bibille. Record local détenu ici par Elogir. Ah bah c'est bien, avec Cosmic Chaos et l'autre, là, on va se faire la Marble Century. Ça va faire deux pistes astronomie. J'ai pas encore pris d'apéro, ça ne saurait tarder. Oui, bah, consommer raisonnablement, hein, vous savez ce qu'on dit, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais savoir se faire plaisir, c'est bien aussi. À la vôtre. Oui, merci, Baltisore. Alors, X-Files, nous dit FunFan, promis, ça sert à... Enfin, X-Men. Qu'il est bête. Mais qu'il est bête. Edge nous dit toujours mon issue de secours en profil. Ah oui, mais elle est bien ton image. Elle est bien ton image de profil, Gugus, sortie de secours. Vous m'avez donné envie d'aller me précipiter sur ma mousse. Je vous préviens, hein, je dois rendre l'antenne dans plus d'une heure. Je vais honteusement roter en direct. Je ne m'en cacherai pas. Bon, alors... On va suivre Bastos. J'ai appuyé au pif. J'ai appuyé au pif au maître. Il n'y a pas de discrimination quelconque. Alors attendez, l'axe du truc, c'est là-bas. Si j'ai bien passé la caméra. C'est beau. Alors, je laisse la course se dérouler. Je me précipite sur ma canette qui m'attend au frigo. Je vais me prendre une blonde aromatisée aux fruits rouges. Chose que j'affectionne beaucoup. Les bières aux fruits rouges, je les aime beaucoup. Je sens que je vais faire sauter la caméra pour la énième fois. Ah. La caméra est toujours là. Oh, ça tient du miracle. Vous allez voir, je vais me rasseoir. De toute façon.
J'arrive, j'arrive. Oh, ah, ben c'est déjà la fin de la course. Ah, qui c'est qui a gagné? Oh ouais, Christelle a gagné. Attendez. Mais du coup, faut que j'organise mon bazar sur ma table, moi. Alors. Aïe. Ouh. Je me suis rassis trop violemment. Là, je me suis fait bobo au dos. Pas bien ce que je viens de faire. Alors, attendez. Je reprends en main mon bazar. Oh, on était pas loin du record local d'Elogir, mais il tombera pas. Donc, Christella, Olive qui tue, Nachevman font le podium. Ensuite, il y a Funfan, moi-même, Bastos, Elchitofun et Edgy Club. Et Baltisor et pas de bol, je sais pas comment t'as fait ton affaire, mais t'as fait choir ta bille dans le néant. Ou t'as été rattrapé par le mur qui disqualifie. Une descente dans le frigo, dis donc, ça m'a essoufflé. Allez-y, point d'exclamation. Play. Brop. Et brop. Voilà. La hard landing. Je sais plus qui c'est qui voulait hard landing. De tête, je me souviens plus du tracé. Merde, j'ai les carte-lunettes qui sont dégueulasses. Je suis en train de voir que c'est tartiné de... Voilà. Ah, je l'ai passé avec mon chiffon spécial nettoyage de lunettes. Mais comment j'ai fait pour rendre crade mes lunettes? Je les ai nettoyées comme tous les matins à mon réveil. Et là, j'ai rien fait de spécial aujourd'hui. Comment j'ai fait pour les rendre crades aussi vite? Effrayant. Sans déconner, c'est pas mes manips à midi qui ont salopé mes lunettes à ce point-là. Il y a des moments où je me fais peur. Voilà, là j'ai des carreaux de lunettes à peu près corrects. Oui, point d'exclamation, play, n'oubliez pas, je crois qu'on est entre guillemets que 8, alors que tout à l'heure on était 10, 11. Mince. Je voulais peut-être pas annoncer clairement, excusez-moi, c'est ma faute. J'ai cassé le rythme, le temps d'aller chercher ma flotte. Ma flotte de fête. On va suivre... Non, pas moi. Ah bah voilà, AJ. On va suivre avec ton fameux avatar de... Chiotte, j'allais dire. Mais tu sais, les panonceaux... WC pour garçon, WC pour femme. Tu disais, oui, ton avatar de sortie de secours. Voilà. Pardon. Ah. La mouche. Attention, hein, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais elle est savoureuse, celle-là, j'aime bien. Ah, oh, mon Dieu. Ah, je pense que vous avez tout entendu avec mon micro hypersensible. Honteusement, est-ce qu'on va entendre le glouglou... Attends, mince. Avec ma manip au niveau du... De mon... Comment on appelle ça? De mon mashup. Voilà, je me disais bien que j'avais mélangé les goûts, les couleurs. Burk, tension, voilà. Que je réussis bien. Est-ce qu'on entend le glouglou au micro? On entend vachement bien. Et le micro est extra. Ah, c'est horrible. La succession de boissons, elle est énorme. On a super bien entendu. Issu du secours de travers, oui, c'est ça. Ouais, le psy de qualité, c'est dingue. Je m'attendais pas, voyez, à ce que mon micro soit aussi bon pour l'enregistrement des bruitages. C'est génial. Hein. C'est génial. Je devrais t'insulter pour ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Nachevman? Qu'est-ce que je t'ai fait comme affront? J'ai pas compris. Quoi, de faire mousser honteusement au son du micro? Mais c'est d'une sensualité merveilleuse. Santé. Comme on dit, ça fait du bien par où ça passe. Ah, c'est... Je reconnais que j'ai eu mon retour d'oreillette bien précis, de son puissant, toute l'amplitude... Il y a de la sensualité dans le bruit, sans déconner. Tiens, je me demande si t'as pas battu ton propre corps, Funfan, non? À vérifier. Mais c'est une course qui te réussit, Hard Landing. Alors, donc Funfan, tu gagnes, suivi de Edge. Je complète le podium, une fois n'est pas coutume. Il reste pas mal de monde en compète. Je suis Christella qui serait dernière. Alors, à rallier l'arrivée, Olive, Nachevman et Bastos. Il n'y a plus que ta deuxième bille, voilà, Funfan.
Et Christella qui devrait fermer la marche, oui, voilà. Sans contrainte, c'est très bien. C'est très très bien. Ça m'a l'air pas mal mélangé et disputé pour le championnat. Hein. Le Grand Prix, là, ça va être difficile de dire qui va être sur le podium. Oui, tu as battu ton propre record de quasiment rien. D'à peine, on va dire, un centième de seconde. Là, ça s'est joué à pas grand-chose. Magnifique. Bravo, fun fan. Il n'y a de la chance que pour la racaille. Oh, ça parle mal! Ça parle mal! Point d'exclamation, play, allez-y, vous pouvez rallier la course. Alors, Olive qui dit, Jarre, tu bois ta bière dans un mug. Oui, au sacrilège, mais j'ai... Alors, je crois que j'en ai eu une et je l'ai égarée ou on me l'a chippée. J'avais une chope de bière, une belle à la bavaroise. Et du coup, non, je pense ça... Ça reste un contenant. Alors, je sais, je suis pas dans les standards, dans les codes. C'est comme si je jouais, si je buvais mon vin dans un verre à champagne, une flûte. Mais bon, je sais, je suis pas conventionnel à ce niveau-là, je suis d'accord. Je me rattraperai plus tard, quand je pourrai réinvestir dans de la vaisselle, mais c'est vraiment pas le moment. Oui, bon, chauffage de soupe au live. Olive, tu fais bien, bonne popote. Alors, je pense du coup à Ophélie, quand il y en a qui moquaient Ophélie Winter, je sais plus qui c'est qui faisait ça, mais ça me rappelle des souvenirs d'adolescents. On va suivre Elchitophène, au Tulipico sur le point de départ, là ça fait bizarre, sur le plateau de... Oh là, j'ai cru que la bille allait gicler, ouah, ça m'a fait peur de voir le subresaut de la bille. Donc c'est quoi ça? C'est Shattered Dreams. Et Fun Fan, t'as encore le record local sur le tracé. Eh ben dis donc. Ibi. Alors, play, les Anglais boivent le champagne dans des tasses à thé. Oui, bon. Voilà. Voilà. Non mais c'est vrai que j'avais une chope. Je dois avoir d'ailleurs non, c'est pas des verres à bière que j'ai on m'avait offert très gentiment un set de dégustation de whisky, donc j'avais le jeu de pierre en la bille qui gicle, moi avec d'ailleurs. Là, vous savez, l'espèce de glaçon, mais qu'en fait, qui est une pierre, une roche taillée, qui permet de garder au frais sa boisson, c'est génial, ça, pour les verres à whisky. Et j'avais un lot de 2 verres à whisky. Je sais pas dans quoi je les ai rangés, parce que je les ai plus à vue. Mais il faudra que je les retrouve, parce que pour déguster des bons whisky, j'aime bien les whisky. Oh ! La bille et Jack a giclé, mon pauvre, de manière très vicieuse. Oui, non, c'est sûr que c'est cool d'avoir le matériel adéquat, quoi. Pour la dégustation. Ah, Christella a gagné. Il reste plus que la bille de Nashevman. Alors, ta bille, elle est où, Nash? Elle est là, d'accord. Elle est pas trop loin. Oh, coucou, Neinone. Oui, oh. Tabi s'est fait satelliser, Nash, la violence. Donc voilà, la seule à avoir rallié l'arrivée, c'est Christella. Waouh, la violence de cette course. Je suis choqué. Oh mon dieu. Ah oui, tu peux dire encore youhou. Ah ouais, non mais... Waouh, le dernier piège, ça a été... Mais alors, punitif pour Tabi, Nash. Effrayant. Point d'exclamation, play. Bah tiens, les nouveaux, je les ai effrayés, là. Sasuke et je sais plus l'autre beau pseudo, ils se manifestent plus. Ils ont peut-être pas aimé que je m'absente pour aller chercher ma mousse, ça leur a déplu.
Bon, bah j'en suis navré. Ou alors, ce qui leur a déplu, c'est qu'ils se rendent compte qu'on était une communauté assez soudée entre nous, de bande de copains. Et je peux comprendre que ça puisse nourrir un sentiment d'exclusion, de se dire, tiens, je suis nouveau dans un groupe qui est déjà vachement soudé. Effectivement, il peut y avoir un effet pervers. C'est là où on va rester entre nous tout le temps, dans les années à venir sur Twitch, on va rester à 10 entre nous. Non, je pense que ça va s'étoffer quand même, qu'il y en a qui vont adhérer au phénomène de bande, ce qui serait tristounet quand même. Oh, le beau départ arc-en-ciel. Qui c'est qu'on suit? Christella. Oh, c'est beau. C'est de la communauté, ça. Je me disais, c'est pas un classique. C'est beau, j'aime bien le côté arc-en-ciel. Alors que les biches sont en train de gicler, là. Olive, Bastos, oh là là, vous êtes éliminés déjà. Oui, heureux, Olive. On te le souhaite. On verra, et tu sais ce que nous réserve la vie, Bastos, c'est gentil, merci. Mais je vais vous laisser un moment, je vais préparer mon plat du soir. Bonne popote, à plus, bon app, Nash. T'as bien raison. Non, moi, l'essentiel, c'est la règle d'or, se faire plaisir quand on diffuse. Donc, si je vous fais un choix, que je vous propose un vote pour le jeu, c'est que tous les jeux que je vous propose me font envie d'y jouer au moment présent. Sinon, voilà, je vous donne mon calendrier et puis on enchaîne les jeux qui me procurent du plaisir. Là, vous avez vu, tout à l'heure, j'étais déchaîné, j'avais besoin de me défouler. Le fear tombait bien, quoi. Le fear, là, j'ai fait mon foufou. La preuve, vous m'avez fait apparemment 2-3 clips. Parce que je faisais mon mariole et c'était rigolo. Et merci à vous d'avoir été là. On a passé le bon moment ensemble. Alors, Christella, re-youhou. Puisque tu remportes la course. Et tu établis d'ailleurs de facto un record local, puisque je n'en avais pas. Il me reste. Ah, c'est bien, Nainonette, nous a rejoint dans la course. Oula. Oula, elle a beaucoup de retard, ta bille. Waouh. Tu reviens dans une demi-heure. Oui, prends le temps qu'il faut, Nash. Ne cours pas non plus. Oui. Nainonette nous dit, je suis convaincu qu'être un petit groupe sur Twitch est une meilleure balance que favoriser la quantité et le flot de d'abonnements insipides. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah bah je suis morte. Oui. Olive, ouais, pas de bol. Pas de bol. Tu reviens sur ta malédiction de Olive qui tombe. Jamais 203, youhou. Oui, non, mais c'est bien, Christella. Là, potentiellement, Christella, t'es championne du Grand Prix. Parce que c'est ta troisième victoire sur 6 et on a 16 courses en tout. Pour le moment, ta moyenne est excellente. GG à toi. Reste à savoir si ça va s'installer dans la durée. Donc, tu fais un bon chrono à 1,23. Intéressant pour un record local. Mais bon, c'est une carte de la communauté alors. Re, nous dit Chris, de la cuisine en train de faire de la pizza. Bah moi, la pizza au chef, je me l'enfourne dans un peu plus d'une heure. N'hésitez pas à rejoindre, point d'exclamation, play la course. Quand il y aura FunFan qui prendra son antenne pour le X-Files. Donc, voilà, pendant un moment, je ne pourrais pas commenter puisque miam. Mais voilà, ce sera pizza aux chèvres pour moi. Et à mon avis, j'aurais fini de siroter ma mousse. Alors, Bastos répond à Nainonette, le child and fun est la dernière tendance des réseaux de ces 2 dernières années. Pendant longtemps, c'était le fit and fun. Et bah, dans les 2 années à venir, ça va être le fun fan. Ah, bonne app, mon cher fun fan. Bonne app à toi. Et vous êtes toujours moins nombreux à rallier la course parce que c'est l'heure du miam. Bon app à vous, je ne peux évidemment pas vous en vouloir. Ouh là là, les rangs. Ou alors la course du dojo vous fait peur. C'est vrai qu'elle est, elle est terrible, la course du dojo. Elle cache bien son jeu, mais elle est redoutable. L'avatar de Chris Golgoth qui fait dans l'horreur le Octobre, le Halloween, le blablabla.
Oh, cet avatar du démon. Oh, avec ce décor en flammes. Stylé. En plus, ça fait avatar façon peinture. C'est la classe. Ah, t'as oublié de placer ta bille, bastos merde. Ah, ce sera pour la suivante, va. Zézera pour la suivante. Alors que visiblement, je serai en tête. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Enfin, je dis ça veut rien dire sur le. Waouh, comment qu'elle a giclé ta bille, Chris, mettait encore sur le tracé, heureusement, mais waouh. Alors, c'est là où les choses deviennent sérieuses et dangereuses. Parce que éliminatoire là, les bambous rotatifs. Si votre bille est trop expulsée hors trajectoire, c'est la mort. Qui vous attend? Oula, 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 ça secoue. Donc le record local est détenu par un certain Twinsen en 2-0-4. Olive a encore perdu sa bille. C'est la violence. Alors. Donc potentiellement, Chris, tu serais en tête. Mais il y a encore de la route à faire. Alors qu'on voit au loin le fantôme de chrono local abattre de Twinsen. Vu la distance, c'est pas prêt d'être battu. C'est pas pour ce soir. Hop, 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 c'est voilà. Dommage, Chris, tu as perdu la boule. Alors, chez moi, c'est tous les jours Halloween. Oups, moi aussi j'ai fait. Oh, et Jay. Oh, je suis en duel avec Christella maintenant. Oh là là, c'est la pauvreté au niveau du final. Et encore, je crois qu'une fois le dojo Funfan avait été terminé à rallier l'arrivée, c'est dire. Ouais, t'as encore tombé, Olive. Donc je remporte la course et Christella. Mais elle est où ta bille, Christella? Ah bah c'est, t'arrives, c'est l'escalier final. Ouf. Tu as de très bonnes stats. Bon, évidemment, je ne bats pas le record local. Mais non, non. Ah! Le système solaire. Marble Century. Que j'aime beaucoup, avec le record stratosphérique local de Funfan qui était proche du record mondial. Allez-y, point d'exclamation, play. Je vous laisse 1 minute pour placer vos bibis. Point d'exclamation, play. Donc, non, non, franchement, là, le Grand Prix de 16 courses, Christella, ça sent bon. Alors que j'ai entendu une alerte de. Il s'est passé quelque chose sur la chaîne. Si c'est un nouvel arrivant pour un acte de fidélité, merci et bienvenue à l'intéressé. Alors, on n'est pas bien ici. Bien, d'ailleurs, je suis l'idiot, mais on est à mi-Grand Prix. Puisque c'est le 8e tracé sur les 16. Fichtre. Déjà, alors on est 6 sur le départ. Bastos, oui, a placé sa bille, donc ça va. Ok. Ouais, tranquillou, peinard, pépouze. Voilà, on affiche les bébés. Les bébés, les Merci tout bébés. plein pour cet acte de fidélité à la chaîne. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue, 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 bienvenue. Là, dans l'immédiat, la bille de Chris qui a. Qu'on appelle ça? Qui a l'avantage sur le fantôme de Funfan. Ah. Maintenant, il faudra que la bille garde le rythme. Et on est peut-être en course pour un record local. Et qui sait, peut-être mondial. Alors là, mondial, ce serait énorme que ça se produise. Ah. Eh non. Voilà, déjà là, ici, on voit que la bille de Funfan avait une trajectoire parfaite entre les pistons. Du coup, c'est Bastos qui prend le commandement de la course. Il faut que je vérifie mon astronomie. J'étais en train de me dire que les pistons pouvaient représenter les ceintures d'astéroïdes dans notre système solaire. On en a deux. Mais non. Non, non. Normalement, on en a une entre Mars et Jupiter, là, et il n'y a pas. Il y a certes l'entonnoir, là, l'espèce de pince dorée, pince à linge,###
mais qui pourrait symboliquement représenter la ceinture d'astéroïdes, mais ça fait un peu trop cucul la praline. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Thibaut, je me lasse pas de ce tracé. De revoir le système solaire, comment ils l'ont modélisé, c'est trop classe. Donc, Bastos serait en tête là. Christella fermerait la marche. J'ai l'impression qu'on n'est pas prêt de battre le record de Fun Fan. Ce jour-là, c'était vraiment dément la performance. Oh là là. Le truc de fou furieux. Dingue, dingue, dingue. Il y a des stats bizarres quand même quand on regarde dans l'encart de Chris. Donc on voit son rang de joueur mondial, mais on voit des éliminations, les curseurs et l'énergie. Alors l'énergie, j'ai jamais compris. 9 sur 19. Je sais pas comment ça marche au niveau des stats du jeu. Alors, Edge nous dit. Tu parles aussi clairement. Calme. Tu parles aussi calmement qu'un commentateur de pétanque. Oui, d'accord. Oui. Oh non! Oh, Tabby a été éliminé, Chris. Sniff. Oh, la trajectoire de ma bille était pas mal, tiens. Pour le coup. Oh non, Christella, je suis également. Mais c'est quoi ce carnage de fou? Oh, la violence! Donc Bastos vient de rallier de l'arrivée. Mabi devra en faire de même sous peu. Il reste en course Olive et Edge. Ouch. Voilà, c'est bon pour Mabi. Alors Edge, t'es où? Ah oh, bah ça va, vous êtes pas loin. Olive complète le podium. Et hop pour Edge. Voilà, GG Bastos. IB. Vous Dudu. Encore que 3,44, c'était un bon chrono, Bastos. Hein. Mais voilà. J'en dirai pas plus. Oh, Cards of Power avec les. Oh là, il y a beaucoup d'éliminations sur celle-là. Elle est terrible là. Avec les bobines Tesla là. Oh là là. Elle est très particulière cette course, mais rallier l'arrivée est pas évident. Donc le record local, c'est une scène qui date en 2,46. À 45 secondes du record mondial, mais là j'ai presque envie de dire on s'en moque et je vais poursuivre l'indécence. Quoi? Olive qui dit je réchauffage de la poêlée maintenant. Oui, vas-y, je t'en prie. Je vais vous faire écouter des sons délicieux. C'est comme dans les pubs, c'est le même son. C'est horrible. Je serai vilain. Vous savez quoi? Je vais extraire le son que je viens de vous émettre là en versant ma mousse dans le contenant. Et j'en fais, vous savez, un son à déclencher avec l'icône de la chope de bière Twitch. J'en serai capable. Ce serait, si j'en ai l'occasion de le faire, je le fais. Histoire de me marrer. Allez, on va suivre la bille à Bastos. Alors attendez, c'est hop, je me mets dans le sens du tracé. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Petite anecdote, nous dit Nainoné. J'étais dans la cuisine et je me lavais les mains et j'ai pas trouvé la serviette. Mais heureusement, il y avait Réglisse dans le coin. Ah, quelle horreur! Mon Dieu, pauvre chat. On embrasse Réglisse. Ah là 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 là.
Edge. Edge, j'ai dit au futur que j'allais extraire le son que je viens de vous émettre naturellement au micro pour l'associer à l'image que tu as trouvée. Donc dans le futur, je t'inviterai à t'amuser à refaire ce que tu viens de faire et là, tu vas retrouver le son. D'ailleurs, le jeu nous punit parce que toi et moi, on a déjà chuté dans le néant. Oh, Christelle a aussi, mince. J'ai vu ta bille tomber dans les limbes. Mais Olive aussi. Mais il est horrible ce parcours. Le parcours électrique là, il est abominable. Il faut se lancer à 100 et il n'y en a que deux qui franchissent l'arrivée. Une scène, quand tu as établi le record local, tu devais être le seul survivant de la course. C'est pas possible. Il reste plus Chris et Nainone. C'est de la folie ce tracé. Voilà, Nainone a giclé, il reste plus Chris. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ce parcours du démon? Oh là là, vous êtes terrible d'avoir choisi le tracé Cards of Power. Et B. Alors, la question est, est-ce que Chris s'est tiré d'affaire et sorti de la zone de danger? Je te le souhaite, mais je ne suis sûr de rien puisque je connais très mal ce tracé qui, de coup, me fait froid dans le dos. Oups. La punition du jeu. Ouh là là. C'est le circuit Claude François. Oh mon Dieu, quelle horreur. Non, non, mais il est redoutable ce tracé. Ouch. Bon, à mon avis, le record Tunesen ne sera pas battu. Mais, si honnêtement, Chris, tu rallies l'arrivée, c'est un beau GG à toi et des belles stats pour le Grand Prix, là. Là, tu vas marquer des points en étant le seul survivant. Mais ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir zigouillé. Ça sent bon. Attention, il y a encore une bobine Tesla là qui nous électrise, nous hérisse tous les poils. Ah, oh, et ben GG Chris. Cette course est à toi. Bien. Ouiouiou. Pouc, la suite. Du. Rusty Remnant. Woudoudou. Point d'exclamation. Play. Vous êtes invité à placer votre bébé. Assez de danger pour cette année. Oui, mon pauvre. Oui, t'auras déjà pris cher. Ouais, dur. Dur et dur et dur. Nous sommes 5 sur la grille des départs. 6, qui dit mieux? Ouais! Non, bah les autres, oui, vous êtes à table ou en cuisine, vous avez parfaitement raison. Ah! Non! Play camion maintenant. Non, non, et je pourrais pas non plus tous les jours faire du camion. Là, je finirais presque par me lasser si je faisais que ça. Mais oui, on va s'éclater. Et encore, demain matin, je vais doucement continuer à faire le Funlight Fantasy de fou furieux, là. Je sais même plus où j'en suis. Je pensais que j'allais rester dans la prairie. Et en fait, j'ai trouvé un. J'ai pas un boss à patater demain dans Final Fantasy. Il y a les espèces d'accordéons, là, dans les mines. Avec les automates, et puis. Si, je crois que j'ai. Ouh, j'ai du violent, moi, demain, me cotiner dans Final Fantasy. Ouh, j'ai encore pesté, à mon avis, demain matin. Mais sinon, l'après-midi, oui, on fera du camion tranquillou peinard en mode radio à bavarder entre nous. Du coup, je sais plus à combien on va se retrouver, parce que s'il y a. Va y avoir Edge en plus et Nacheman en plus. Donc, on va être. Je sais pas si Christella pourra nous rejoindre. On pourrait être potentiellement être 5 sur la route, si je comprends bien. Mon Dragon Sky, il s'est planté. Il a pris la version européenne. Alors, ça la fout mal.
Impatience pour la chope de bière. Oui, ah. Si je me prends du temps intelligemment, je te fais ça en courant de semaine prochaine. Et tu l'auras pour le week-end prochain, Edge. Mais c'est sympa. Franchement, honnêtement, j'avoue que je suis agréablement surpris par la capacité, la qualité de captation du micro. C'est cool. La semaine prochaine aussi, il faut que je termine de bosser la compile. Vous savez, des clips. J'ai chargé sur le serveur Mega le fichier, mais j'ai pas fait le lien à télécharger via la boutique. Et promis, je vous le fais la semaine à venir. Comme ça, qui de droit pourra paisiblement, ceux que ça intéresse, télécharger le fichier vidéo. Wally, Wallou. Et puis là, c'est vrai que c'est une compile généreuse. En général, je m'en tiens à 1 heure, et là, c'était 75 minutes de clip. Je crois que c'est 72 et quelques secondes exactement. Bah, hors générique, ça fait 72 minutes. Donc 1h12. J'en ai commis des âneries cet été. L'été torride m'aura rendu tout fou. On aura bien rigolé. Tu as raison, c'est bon le chocolat à boire. Pardon. C'est une blonde aromatisée aux fruits rouges que je déguste. Qu'est-ce que le chocolat a à voir là-dedans? N'importe quoi. Ah, alors la bite Basto serait en tête. C'est la bite secondaire de Funfan qui a le record local en 3,46. Oh, qui va tomber là, et oh! Tabi, eh bien! Oh, Christella a chuté. Tu vois comme quoi la tendance s'inverse. Tu vois, en deuxième partie de Grand Prix, il attaque toutes les misères, Christella. Ça rebat les cartes, c'est la folie. Eh bien, Bastos, tu viens de pulvériser le record de la bise secondaire de FunFan. Alors là, je pense que tu es installé confortablement un bon moment au niveau du record local. Waouh, GG à toi, Bastos. T'as pas perdu de ta soirée, rien que sur cette course-là. Rien que ça. Alors, Mabi vient de rallier l'arrivée. Olive devrait pas tarder non plus. Voilà, c'est fait. On a le podium. Bastos, moi, Olive. Edge vient de rallier à la quatrième place l'arrivée. Il reste plus que Tabi, Pénard, Pépouze, Chris. Bon, elle devrait pas faire des quarts faramineux et gicler dans le décor. Voilà, c'est bon, tu rallies l'arrivée. Eh ben, c'est bien, 5 à l'arrivée sur 7, ça va. On limite la casse. Oh la vache, 3,07 Bastos. Je suis arrivé 30 secondes derrière toi. Waouh. Alors que moi-même, je battais le record de précédent de FunFan, hein, comme Olive. La barre était haute. Hein. Oui, bah hydrater le sage, c'est malin, Nenené. Je ne cesse de le faire quelque part. Allez, point d'exclamation, play. Vous pouvez placer vos bibis sur ce 11e tracé sur 16. J'ai l'impression qu'on va glisser tout naturellement vers la 20h. Non, peut-être pas. On va peut-être rajouter quelques courses bonus tout à l'heure pour aller jusqu'à 20. Oula, le record du monde, c'est Renalo Amber Heard, qui l'a en moins de 2 minutes. Frozen, ah oui, Frozen, c'est long. Twinsen nous tient le record de la chaîne en 3,10 quelque chose. Oh mon Dieu! Il vous reste 30 secondes pour placer votre bibi. Oh, dos droit, dit Edge. Merci de penser à moi. Attends, je vais retirer mes patins et je vais me remettre jambes croisées au niveau du siège. J'aurai le dos plus droit. Attends. Blablabla. Oh, il y a Manon qui fait. Ah bah tiens, Christella. D'ailleurs, il faudra que je regarde ta rediffusion sur Scorn. J'ai Manon qui vient de voir une notification, elle se lance dans Scorn aussi. Décidément, ce jeu a l'air de plaire à pas mal de monde. Il faudra que je m'y intéresse. Il faudra que je regarde ta rediff, je sais pas quand, Christella, dans la semaine à venir. Parce que de voir autant de monde se lancer dans ce jeu qui est visiblement tendance, ça m'intrigue.
Ça m'intrigue. Au moins pour ma culture générale, que je vois à peu près ce que c'est. Ah là là, t'avais dit que c'était plus énigme qu'horrifique, je crois. J'avais lu un peu ton propos chez Aeroster quand tu avais fait un relais de chaîne. Alors qu'on suit Olive. Oh mon Dieu! Elle est belle la coupole, enfin la coupelle plutôt, en bas d'arrivée en gelée là. On dirait, vous savez presque les plantes carnivores là avec les. Voilà. Now Ned fait bring Lazen to Twilight soon. Oh! Mais qu'il est bête! Nainonette, ne ça va pas, non? N'importe quoi! Oh là 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 là! Mon Dieu, jamais j'aurais imaginé lire un truc pareil sur mon chat. Mais je salue! Il y a du génie dans ta saisie, Nainonette, au niveau de la syntaxe. Il y a une logique quelque part. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. C'est aussi un jeu très intrigant. Ok. Non mais il faudra, honnêtement, je remettrai ta rediff. Moi j'avais regardé une première rediff cette semaine. Je voulais absolument le voir. Ce qui m'avait présenté de jeu, ça m'intriguait. C'était le mélange de Minecraft avec Planet Crafter, avec de l'exploration spatiale. C'est Emporium, là, je sais plus quoi, de Pop and Repop. Et je connaissais pas le jeu, donc j'en ai pris bonne note. Cette semaine, j'ai vu sur ces 4 heures de direct, j'ai dû en voir 1 heure et demie, j'ai eu le temps de voir ça. Et waouh, bien le jeu. Que je pourrais pas faire parce que ça demande une bécane costaud. La preuve, hein, imaginez un Minecraft dans l'espace où tu fais des trucs dans l'espace, mais tu te poses sur la planète que tu veux. Il y a des trucs à faire sur chaque planète de manière procédurale. C'est énorme. Et waouh. Et un jour, peut-être. J'ai trop de jeux à faire dans ma vie, ça fait peur. J'ai pas assez de ma vie d'humain pour tout faire. Ça fait peur quelque part. Il y a une ivresse de. Oh! Moi, je dis le paradis. On a plus les soucis matériels. On n'a plus que l'esprit. Et on a l'éternité pour faire tous les jeux qu'on veut. C'est ça le paradis pour moi. C'est vrai en plus. Quelque part, ce serait. Ah! Ah, quand tu dis que tu devrais coder, Nainonette, je nul doute que oui, tu as la philosophie, y a peut-être, tu as peut-être un langage de programmation. J'avais déjà parlé des philosophies et état d'esprit et syntaxe ou approche. De certains langages de programmation. J'y reviendrai pas, hein, je vais pas vous saouler ce soir, et c'est pas le thème. Bravo Christella, t'as rallié l'arrivée. Mais je nul doute, Nainonette, qu'il doit y avoir au moins un langage, si ce n'est plusieurs, qui doit exister, que tu ne connais pas, dans lesquels tu devrais prendre ton pied à coder. Mais je le pense sérieusement. Hein. Non, non, franchement, l'univers de l'informatique, la programmation, il y a. Waouh! Il y a des choses à faire absolument magnifiques. Magnifique, magnifique. Obligé d'avoir le cerveau en ébullition. Alors, podium. Christella Bastos, Nainonette. Ensuite, on a Olive, moi-même, AJ et Chris Gogot. Et il n'y a pas de d'éliminé. Ça me fait plaisir de le dire. Cool. C'est cool, c'est cool. Oh! Until Hill. Oh mon Dieu, j'avais oublié l'existence de cette course. Hic. Point d'exclamation, play, placez vos bibilles. Oh, record du monde, c'est DJ Vigilante. 843. Pour prononcer en anglais. Il y a localement, plus sérieusement, il y avait Raygold, qui est un joueur de passage sur la chaîne qu'on salue. Raygold qui avait établi le record en 2,23. Pas loin du record mondial d'ailleurs, et oh! C'est assez tendu dans les chronos. Est-ce que l'un d'entre vous va parvenir à détrôner son record local ce soir? Mystère. Bah, hé, Nainodette, tu sais quoi? Tu me relances demain sur le sujet de la programmation, les langages de programmation, demain en vroom-vroom camion. Alors là, tu vas me rendre bavard. Et si je pourrais vous apprendre des choses à vous toutes et toutes qui serez là, ce sera avec grand plaisir, parce que la programmation, j'ai pas mal de choses à dire.
En plus, ça faisait une partie de ma formation initiale de technicien informatique. C'est pas mon fort, hein, honnêtement, la programmation. Mais je vous expliquerai en temps et en heure. Qui c'est qu'on va suivre? Qui c'est qu'on n'a pas suivi depuis longtemps? Oui, Edge. Allez hop, Edge, on va te suivre. Oh mon Dieu! C'est quoi cette lévitation du démon? Mais non, mais ta bille, elle est emportée dans les limbes. C'est pas ça qu'il faut faire. Oh! 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 C'est horrible, Edge. T'as été emporté par un démon. Il n'y a même plus de nom pour dire ce que j'ai vu. Eh, bien choisi la carte. C'est très Halloweenesque, ça. On a même droit à la citrouille taillée comme dans Minecraft. Bleu. Et ça me donne envie de manger de la soupe de petits ronds. Miam, c'est bon ça. Ça fait très longtemps que j'ai pas savouré ça, moi. Faudrait que je me refasse ça, moi, un jour. Je vous lis. Play, 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 play. Le jeu du plaisir. Je lis le stricto sensu le chat. Play, 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 play. Oh oui. Calme-toi. N'importe quoi. Intéressant, je serai là. Oui. Edgy triche. Mais non, comment ça, Edgy triche? Mais non, mais non. Non, mais non, c'est un malus. Le malheureux, il s'est fait choper par un démon, là, et puis il a. Blablabla. Voilà, God damn it, comme il le dit. Dans la langue de Shakespeare. Alors, Nainette Christella, je suis dans l'ivresse. Ça promet pour demain après-midi, je ferai attention. Oui, oh, on aura le temps de bavarder entre nous. Mais non, non, mais honnêtement, je te présenterai en gros les langages de programmation rapides. J'essaie de vous faire un truc attrayant, pas gonflant. Je ne veux pas faire mon prof d'université. De toute façon, j'en ai pas les épaules. On va dire que je vais vous parler en tant qu'initié, mais vraiment, il y a quelque chose à fouiller où tu pourrais très honnêtement prendre ton pied à programmer quelque chose, Nainonet. Oh! Même FunFan s'est fait éliminer sa bibille. Oh! J'ai gagné! Suivi de Nainonet et de Bassos pour le podium. Bravo, moi! Alors, quatrième, Chris. Cinquième, Elchitofen. Sixième, Olive qui tue. Septième, Christella. Oh, mon... Attends, le record a été battu. Oh, le record n'a pas été battu, mais ça s'est joué en dixième de seconde. Wouh! Donc, Raygold a du bol. Il va encore garder ses lettres de noblesse sur le canal, sur ce tracé-là. Bravo à lui. Alors, 13e course sur 16. Point d'exclamation. Play. Oh, c'est un certain Frobos MC qui a le record local. Neynonette, vas-tu battre ton ancien pseudo en 1:24-4? Allez savoir. On est sur le tracé de Twisting Tumble. Me demandez pas comment traduire de l'anglais, là, je pourrais pas dire. Twisting, c'est quelque chose qui valse, qui gicle, je crois. Et tumble. J'ai pas le terme en anglais, donc voilà. Alors, 30 secondes pour placer votre bibi. Programmé en Voltex. Oh mon Dieu! En capo! Bonne soupe à toi, Olive. Ah, ta soupe de tout à l'heure, c'était citrouille. Oh là là! C'est bien, vous êtes tendance. Vous êtes raccord avec le calendrier. C'est tout à votre honneur. Frobose, il est dans la forêt. Ouais. C'est ça, Edge. Ah, la forêt que j'espère retrouver plus verte pour l'été prochain et une future balade. D'ailleurs, sans déconner, hein, il faudra qu'on se resynchronise. On a le retour de notre promenade numéro 2 à commenter en direct, Neynoné. Faut pas qu'on oublie. Bref, bon. Je ne désespère pas, mais on a ça sous la main, dans le placard. Attends, mais c'est quoi cette course? Elle part dans tous les sens, cette course. Je crois que c'est comme ça. Parce que je vois l'arrivée dans le truc. Alors, oui, Christella, tu me disais un truc que j'ai pas vu, pardonne-moi. Je disais plus haut que je serais un... Quoi?
que ce serait intéressant que tu nous fasses un direct spécial codage, justement. Alors, on en parle demain et que j'essaie de cibler qu'est-ce que vous attendez de moi. Parce que le codage, c'est énorme. Ça peut être beaucoup de choses en codage. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut s'organiser ça, hein. Vous savez que je reste ouvert sur les propositions qui vous intéressent. Quoi? Fun à rallier l'arrivée, comment? Déjà? Comment qu'il a fait? J'ai pas vu. Mais il a battu le record mondial là ou quoi de Monsieur Tazoul? Déjà, il a pulvérisé le record local, il n'y a plus de Froboz. Quick. Maintenant, c'est Fun ici. Waouh! Mais j'ai pas vu. Ne me dis pas que t'as battu le record mondial, Fun. T'as été stratosphérique. Non, il n'y a pas l'alerte du record mondial, mais t'as fait très fort. En 57 secondes 7. Waouh! Waouh! Alors là, j'en reviens pas. Suivi de Neynodet et moi-même, nous complétons le podium. Nous avons ensuite quatrième place, Chris Gogot, puis Edge, puis Olive, puis Bastos, puis Christella. Bien joué. On fonce vers Boomerang. La Boomerang, c'est particulier. C'est une course un peu automobile. Voilà, vous voyez la ligne de départ. Mais là, elle est en forme de L. Point d'exclamation. Play! Vous pouvez placer votre bébé, hein, perdre la bouboule. Alors, ok, oui, blablabla, c'est intraduisible, sinon ça donnerait dégringolade de torsion. Merci, Edge. Dégringolade de torsion, effectivement. Je comprends pourquoi mon cerveau a bugué. Mais je connaissais pas le mot torsion en anglais, merci. Vos MC, bye bye, retourne dans la forêt. Fan. Oh, on est plus nombreux là. Ça, on monte en nombre de participants, merci. C'est cool. On est 8. Ah bah oui, c'est toi, Fun qui est revenu de table. Suis-je bête? Eh oui, par déduction logique. Oh, il m'en reste un peu. Je fais le bruit indécent de la canette. J'ai gâché le son, je me marre. Je peux pas m'empêcher de me marrer. J'adore. Alors, sans offense, Chris, on t'a déjà pas mal suivi. Qui c'est que j'ai pas beaucoup suivi aujourd'hui? Fun. Fun, je l'ai pas beaucoup suivi. Après, il serait bien que je fasse Olive aussi. Olive, j'ai pas souvenir d'avoir beaucoup suivi ta bille. Je réfléchis pour demain le coup du codage programmation. Sous réserve, si j'y pense demain matin à mon réveil, les quelques bouquins qui restent de ma bibliothèque que j'ai pas mis en carton, alors conditionnel, je sais plus si j'ai mis ces bouquins-là en carton ou pas. Je vais peut-être vous sortir quelques bouquins de programmation pour ça m'aidera à m'appuyer dans mon argumentation. Conditionnel. Si j'y pense, je le fais. Sinon, tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Mais voilà. Oh mon Dieu! Pour la caméra, il faut faire en dynamique et suivre la course folle de la bébé dans le sens du tracé. Attends, on va coller, on va zoomer sur la bébé de Funfan, quitte à ce que ce soit Gerbotron. Miaou. Oui, c'est rigolo, il y a l'ivresse des courses là. À ras le sol au niveau des vibreurs. Miaou. Ah, et c'est rigolo comme ça. Dans le style des grandes arènes de course automobile américaines, les ovales, comme on aime les appeler. C'est rigolo, même d'ailleurs, qu'on voit depuis la piste les arbres avec les bouboules de feuilles là. Oh, comment qu'elle a giclé ta bille, Bastos? T'as fait un énorme saut dans le virage. Manque plus de son de motorisation comme ce matin, seconde Turismo. Pareil.
Oh, je suis content de la course que je vous ai quand même offerte ce matin en Porsche. C'était bien, elle était dynamique, elle était disputée de bout en bout. J'ai toujours peur parfois de vous offrir un spectacle assez morne, où on voit que je suis toujours premier ou toujours dernier, c'est pas drôle. Et là, c'était disputé, c'était bien. Alors, oula, l'arrivée est très space. Ah bah tiens, ma bille est la dernière. Alors, Alchitophane gagnant. D'ailleurs, t'établis un record local. Tiens, je suis surpris, j'en avais pas sur cette course. Bastos Funfan. Bah, t'es doublement gagnant sur le podium, Funfan. Bravo. Ensuite, quatrième, Olive qui tue, puis Chris, puis Dynanet, puis Chrysella, puis Edge, puis moi-même. On se dirige vers l'avant-dernière course du Grand Prix. C'est énorme. J'ai manqué la Porsche, dit Neynonet. C'est pas grave, tu regarderas la rediff. C'est tout aussi passionnant à voir en rediffusion. J'espère d'ailleurs avoir le plaisir en semaine de me revoir mes propres ralentis en arrière-plan pendant que je bosse. Tant que je peux faire ça, j'en profite. J'aime bien. Non, c'est. Waouh! D'ailleurs, oui, hein, normalement, j'ai enregistré mon. C'est le seul ralenti que j'ai enregistré sur mes cartes mémoire de PlayStation. C'est le fait d'avoir. Voilà la course à revoir à volonté. Parce que là, elle était bien, elle était vraiment disputée, équilibrée. Je crois que j'ai fini troisième, ouais, sur le podium sur 6. Non, vachement bien. Vachement. Point d'exclamation play. Je sais plus si je voulais annoncer. On dirait moi sur Mario Kart, dit Edge. Ok. Ah. Oui, alors attention, avant-dernier tracé. J'avais dit qu'on suivrait Olive là pour changer un peu. Alors Olive, t'es en quelle position? 5. Voilà. La dernière course, qui c'est qu'on n'a pas beaucoup vu aujourd'hui? On a vu pas mal Christella, je crois, en début de Grand Prix. J'hésite entre Neynonet et Edge. On t'a vu deux fois, je crois, Edge. Neynonet, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est une course de la communauté, donc on n'a pas de record local. Je me disais aussi, Ouh la vache, ça en jette en bas! Ce conglomérat d'éléments de course, c'est vertigineux. Ah, on atterrit sur le sommet de la pyramide, c'est ça? Après le téléporteur. Ouais, c'est ça. Oh, c'est un truc de fou. C'est en or massif. Oh, ce luxe. Ce luxe indécent. Oula, oula, il y a une fusion des objets. Attendez, Bastos a rallié l'arrivée, mais j'ai rien compris. Quoi? D'accord, c'est le pied du bazar qui est l'arrivée. Oulala, attendez, on va suivre ma bille qui est la dernière, parce que là, c'est trop bizarre. Attends, je crois que ça vaut le coup de se coller une nouvelle fois à la caméra à la bille, parce que. Alors, pardon pour les effets Gerbotron, mais c'est trop bizarre ce tracé. Je crois qu'il se savoure en étant scotché le pif à la bille. Alors, on a déjà le podium. Bastos, Olive et Edge. Bravo à vous. Ensuite, on a Christella, Funfan et Chris qui complètent le podium. Il reste à rallier l'arrivée. Il y a Neynonet, à mon avis, qui est en bonne voie. Et moi qui devrais fermer la marche. Il a empilé le créateur de la carte, il a empilé les entonnoirs. Ça fait comme un semblant de calice. Waouh! Bon, bah, il y a un record local du coup établi par Bastos en 1-12-3. Mais je sais pas si on fera Precious Ancient Relic en plus. Le nom correspond au. Ah, bien joué de la part du créateur de la carte. Allez, point d'exclamation play, placez votre bibi, allez-y. C'est la dernière course, dernière et 16e piste du Grand Prix. Et c'est une course de la communauté, donc on n'a pas de record local. On a un record mondial d'un certain Slag Fraid en 11 secondes 3.
Mais c'est pas possible! L'arrivée est ralliée, connectée directement au départ. C'est pas possible en seconde. Mais vous êtes fou! Vous êtes fou! Alors, attendez, je vous lis. Tu fais une cuisine que je connais pas, Nachevman, la Crozivlette et l'Andran de Guerre. Je crois que tu parles proche de la frontière allemande. La Crozivlette et Andran de Guerre. On espère pour toi qu'elle est savoureuse. Aïe. Tu vois la tartiflette, eh ben tu remplaces le quoi? Tu remplaces les pommes de terre par des creusets. C'est quoi des creusets? C'est pas des pâtes spéciales alsaciennes, ça? Rien d'inventé, plat typiquement savoyard. Oh? Ah bah tu m'apprends un truc. Merde, j'oublie le jeu de course. Le jeu de... Ah! 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 Pardon, je deviens fou. Attendez, là, les propos culinaires de Nachevman ont fait fondre mon cerveau instantanément. Merde, c'est moi qu'on voit. Tant pis. Edge, t'as gagné, bravo. Pardon. Tu fais une cuisine que je connais pas. Oui, moi non plus. Des creusets... Attends. Tu remplaces les pommes de terre par des creusets? Oh, c'est pas dégueu, ton truc. Ça me plaît dans la recette. Je m'imagine des choses très goûteuses. Attention, ça commence à se voir que t'as filé un billet pour gagner. Oh. Bastos. Perdu, c'est loin d'être allemand. Ah, nein. Oh, Raskar Kapak, bonjour. Alors, excuse-moi, t'arrives à la dernière course du championnat, mais si tu veux, il me reste un quart d'heure d'antenne, je vais peut-être faire 2-3 courses derrière hein, de Bibi. Donc, si tu veux participer, t'es bienvenu. J'espère que tu vas bien, Raskar Kapak. Alors, attends. J'annonce AJ Club, moi-même et Elchitophone, le podium. Nickel, propre, bien. Bien d'ailleurs, AJ, en 15 secondes, pff, chapeau. Nachevman, ensuite Chris Neynon, Chris et la Olive qui tue, Funfan et Bastos. Pour dire. Ah! Le podium du Grand Prix. Moi, je serais tenté de dire que, sans déconner, sur Christella, t'es dans le podium. Est-ce que t'es première? Je serais tenté de dire que t'es première. Je dirais troisième, Chris Golgoth. Deuxième, je sais pas. Deuxième, c'est peut-être... Il y a pas mal de... Ce serait peut-être Edge. Allez, je me tente. Moi, je suis un pronostic. Je dis troisième, Chris. Deuxième, Edge. Première, Christella. Alors, troisième, moi. J'aurais jamais cru. 2, Bastos, j'ai tout faux. Première, Christella. Quand même, merci. GG Christella, c'est bien. Ouais, je reste pas longtemps, ma soeur arrive en train. D'accord. Non mais je t'en prie, Raskar Kapak, y'a pas de souci. Creuser avec la viande, des creusets dans le pâte, voilà, une petite carré et plate. Oui, je vois ce que c'était, ça va. Ma mémoire m'a pas trahi, mais merci de la précision dans le chat. Ok. 145 points, Christella, très bien. Bastos, tu démérites pas d'ailleurs avec 129. Moi, je suis surpris d'avoir 79 points. Enfin bon, bref. Même Tunsen était quatrième. Alors que je te voyais pas du tout dans le classement. Attends, Edge. Attends, t'es où Edge? Ah, t'es septième avec 31 points. Alors que je te voyais deuxième. Ah bah, elle est bonne, ma mousse. Hein, je vous le dis. Oh, zéro ont pointé en statistique. T'as gagné quoi? Nos salutations, appuyez. Voilà. Jeu sans enjeu, je crois que disait Gilux, non? Le droit de recommencer, oui, c'est ça. Nash qui a la bonne réponse. Attendez. On va se faire un... Alors, on va se faire un mini prix. Un mini grand prix, mais je vais être vilain. C'est moi qui choisis. Allez, on va faire trois courses, parce qu'après, il faut que j'en m'antenne à FunFan. On va aller dans la communauté. Allez, un peu de nouveauté. Les plus cotés. On va faire ça. Je sais pas ce que ça vaut, évidemment, je clique dans la connue. C'est juste que je m'assure que les limit rate, l'elimination rate, soit à zéro. C'est-à-dire qu'il y a une probabilité très faible que vous puissiez mourir. J'aimerais que tout le monde rallie l'arrivée. Sinon, ça me met en peine de voir des éliminés. Waouh! Ah, je comprends pourquoi la carte, elle est cotée. Point d'exclamation, play. Placez votre bébé.
Waouh! Eh, il y a du travail d'artiste là. Blablabla. Je sais plus ce que je vois. Oui, j'ai gagné. Ah, t'as gagné la gestion du convoi de demain. Edge, pas mal. Faut jamais se laisser abattre devant le patronat. C'est sa chef, oh mon Dieu. Olive qui balance un clip. Ah, merci pour le clip, Olive. Merci, merci. Ben, ça filera dans la fameuse compile. Compile que je vous permettrai de télécharger celle de la semaine dernière. Dans sous peu, sous peu. J'ai commencé, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il faut que je tisse le dernier lien que vous puissiez télécharger la vidéo. Déjà fait la semaine dernière, je cède ma place au nouveau. On verra comment on s'organise demain. Mais honnêtement, par défaut, le grand chef Manitou du camion, c'est forcément l'ami Nainonette, parce que c'est lui qui a le plus d'expérience sur le simulateur, et je m'en remets à lui. Parce que voilà. Ah bah tiens, Nash, on va suivre ta bille. Hé, on n'a pas beaucoup suivi ta vie, Nashevman, aujourd'hui. Bon, c'est vrai que tu étais en train de faire ton marmiton avec succès, te connaissant, mais quand même. Hic. C'est joli, la texture paintball, là. Bille de peinture éclatée. Bon, pour ceux qui l'auraient pas remarqué, je suis déjà. J'arrive plus à parler normalement, pardon, et je suis à. Attends. J'ai déjà consommé 2 tiers de ma mousse. Ça va, ça me rassure. Ça aurait été que la moitié, je me serais fait peur. Bon. C'est beau. C'est un gugus qui est dessiné à l'angle. On dirait. Il y a des formes artistiques qui ont été dessinées. Ah, espèce de bonhomme en pain d'épices. C'est mignon. Oh! Nashevman a remporté le prix. La course. Suivi de Chris et de Nainonette. Alors, ça, c'est pour le podium. Nash, Chris, Nainonette. Mais, à partir de la 4e place, Olive, Christella. Edge, moi-même, Bastos et Funfan Tabi devraient arriver. Voilà, qui chute à la grande verticalité finale dans le ramequin d'arrivée. C'est bon. Alors, le record mondial n'est pas battu. Ça m'aurait un peu surpris quand même, mais bon. Mais bien, sympa. Donc là, Nash, tu es un mini grand prix. Enfin, je devrais dire mini prix parce que grand, ça a plus le terme. Sur les 3 courses à faire. Hop là. Bah bon week-end à toi, Raskar Kapak. Il joue que t'as même pas le temps de placer ta bille, c'est que t'es déjà pris par le temps et ta soeur est déjà arrivée en train. Mais merci de la salutation du passage, merci tout plein. Merci, merci d'être passé. Bon week-end à toi. J'ai mis un moment pour le faire, je suis à la ramasse ce soir, dit Olive. Ah, Quoi? Nasheman qui dit c'est aussi celui qui conduit avec les fesses. Ouïouïouï, ouïouïouï. Ah. Alors, Néononette, tu t'adresses directement à moi. Attends, je vérifie que j'ai pas fait de bêtises. Oui, c'est bon, les billes vont se lancer. C'est le chef de Nancy, je ne suis que le vétéran dans le jeu. Oui, non. Oh. Conseil d'ancien. Non, mais comme c'est toi qui as le plus d'expérience, ça va de soi, quoi. Je te laisse être chef d'orchestre. À partir du moment que tout le monde s'amuse, c'est la règle d'or principale, quoi. Après, je m'en fais pas. Quoi? 10 secondes. Oh! Cette course du minimalisme. Même moi, mon premier tracé était un poil plus long. Oh merde! Et puis c'est moi qui gagne en plus, j'ai pas l'air con. Moi, Olive, Chris, podium. Suivi de Nainonette, Christella, Nashaman, Edge et Funfan. Oh, des courses si courtes. Moi, j'interdirais les courses inférieures à 1 minute. Mince. On scoltine plus de temps de chargement que de temps de jeu. C'est ballot, quoi. Ça y est, je fais Manabila. Allô, coin. Allez, pot d'exclamation, play, c'est reparti pour un tour.
En espérant que vous ayez encore les doigts sur le clavier, parce que vous vous êtes reparti pour une saisie en moins de 20 secondes. J'y peux rien, c'est le concepteur de la carte à la noix. Regardez, mais là, c'est pas mieux. Le pseudo est marrant, quand même. Du record mondial, Coffee with Radar Bot. Un café avec un robot radar. Mais en 30 secondes, c'est bouclé. Elle va être courte, celle-là. Je ferai pas jusqu'à 20 heures. Moi, je fais gros plan, on papote entre nous jusqu'à... Olive, j'allais dire, pardon. Que FunFan ouvre son antenne et puis on discute entre nous avec les quelques minutes qui restent, mince. Ce sera pas plus mal. La texture de la Saint-Valentin là avec les petits cœurs, c'est mimi comme tout. La Rexall Coffee's Co Short Fast Race. Ah oui, elle est un peu trop fast la race, hein. Un peu trop rapide la course pour ceux qui sont pas à l'aise avec la langue de Shakespeare. Oh mon dieu, je vois de l'amour partout. C'est mimi quand même. Moi je dis que ça devrait être la texture imposée à tous les tracés le 14 février. C'est trop chaud. Lève, 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 lève. Tun, 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 tun. Tun, 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 tun. Neynonet premier. Oh yeah. Alors, je vais faire mon paresseux, puisque vous aurez remarqué que ce soir, il y aurait eu zéro record mondial. Ce qui ferait que je ferais zéro enregistrement au niveau de ma branche Discord des records mondiaux. Merci. C'est bien, j'ai gagné du temps libre grâce à vous. Le mec, il parle mal. Bref, Neynone, Olive et Bastos font le podium, suivi de Christella, moi-même, Chris, Nashevan et J-Club. Yeah! Merci d'avoir joué. Alors, essayez de deviner qui est vainqueur. Oh, Nashevan, t'es sur le podium de ce mini prix. Troisième, Neynone. Deuxième, Chris Golgoth. Et moi, je dis premier, Nashevan. Et voilà. Et voilà. Terrible. Oh. Vous voyez le restant du classement. Alors, Nénette, tu dis oui, je ne serai pas un dictateur demain, tout se passera. Mais oui, je m'amuse. Bah oui. Mais oui, on s'amusera bien ensemble. Mais oui. Ça va de soi. Mais honnêtement, je ne m'attendais pas. Je me voyais plus, vous voyez, dans les projections. C'est là où la vie est marrante. Dans les projections où je me disais que j'étais encore en train d'élaborer les bases de ma chaîne. Merci à vous d'avoir joué. On va basculer en papotage les dernières minutes. Parce qu'on a quelques trucs à se dire gentiment, peinard pépouze. Attendez, je vais basculer en bavardage. Attendez, je vais déclarer bavardage. Mais je m'étais projeté au niveau de mes souhaits, mes voeux de chaîne. En bon français, bavardage. Là, je suis en train d'inventer un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire. Bavardage. Just chatting, voilà. Je m'attendais par exemple à faire les sessions de papote sur Minecraft par exemple. Minecraft, je me voyais bien passer mes dimanches après-midi avec vous. Oh là là, ça y est, ça c'est la mousse. Pardon. À papoter avec vous, peinard. Et voilà, faire les sessions comme ça. Oui, je bois. Attends. Pois chiche, oui. J'ai gagné sur un circuit avec des cœurs. Je vais être obligé de peindre mon camion avec les mêmes motifs. Je sais pas s'il y a. Tu peux le peindre en rose, mais... On verra demain, Neynonette. On va peut-être se centrer demain sur les décalcomanies, les designs de textures sur les carlingues des camions, que ce soit la cabine ou la remorque. C'est intéressant là aussi. Quoi? Non, les objets, j'en ai rien à péter. Oui, ça devait être une stratégie, une tactique de jeu vidéo, mais je ne sais plus lequel. Bah, c'est pas grave. Je suis confus, qu'est-ce que je disais? Merde, je sais plus. Oui, passer les dimanches après-midi à papoter avec vous sur Minecraft, et finalement, vous voyez, c'est le simulateur de camion proposé par Neynonet et même offert par le généreux Neynonet, merci à lui. Le concept est en train de s'imposer naturellement, c'est ça qui est beau, naturellement sur le canal, vous voyez, j'apprécie et vous aussi. Donc on passe un bon moment en commun, radio copain, l'idée est là, voilà, dans le concept, voilà. Voilà, moi j'ai mon matou à moi. Miaou.
J'adore ce mug. J'avoue que d'un point de vue artistique, j'ai la chance d'avoir des mugs plus beaux. Vous savez, dans le détail, l'île d'Oléron, je sais pourquoi, je pourrais vous les représenter à l'occasion. De toute façon, vous verrez dans l'année toute ma vaisselle défiler. Mais celui-là, symboliquement, vous savez que je suis très sensible au félin. Et le matou, il est magnifique. Mais un truc à 2 balles à Auchan. Hein. Mais je suis content de l'avoir. Alors, attendez que je vous relise dans le chat. Là, j'ai pas confiance, je sais pas pourquoi. À moi les pépettes, alors que sonnent les 20h. Donc, il faudra que je regarde quand tu lances ton direct fun fan que je te fasse le relais de chaîne. On va aller sur du X-Files. Mais j'ai un doute. Ça y est. J'ai 20h, hein, ta prise d'antenne fun fan. Pas 21h, rassure-moi. C'est là où je dois te dire mon antenne encore 1 heure alors que je suis. Puis je commence à avoir faim. Tu lances quand tu veux. Pas trop tard, mais tu lances quand tu veux, fun fan. Tu fais comme tu le sens. Là, tu vois, je réponds aux dernières questions et aux commentaires de tout le monde. Merci à vous d'être là. J'ai gagné une séance avec des cœurs. Chiche, pois chiche, tu m'as tué. Machin. Nainette qui répond à Nash, mais tout se passera bien, je serai très gentil avec toi. Tu as l'air assez indépendant dans le jeu. Ah, mais je joue. Quoi. Oui, bref, non, te préoccupe pas, Nachefman, le fait de nous rejoindre dans le convoi demain de camion. Si tu veux être indépendant, d'ailleurs, c'est ton droit. T'es pas obligé de suivre le cortège de tout le monde. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je pressens. J'en ai parlé vendredi soir quand. Vous aurez la vidéo sur YouTube. Hein. Ça n'a pas été diffusé sur Twitch. Parce que moi, ça m'a permis de faire mes réglages son. D'ailleurs, j'aurai de meilleurs réglages son dimanche avec le camion. Je vous expliquerai le moment venu aussi. Je pense qu'il va y avoir deux groupes dans notre groupe de copains de camions qui va se scinder en deux. Pourquoi? Il y aura des foufous qui vont faire pas respecter le code de la route et exploser le comment dire le code de la route, faire le bousiller le camion, etc. et tracer comme des malades. Et il va y avoir les consciencieux, ceux qui respectent leur matos et le code de la route, qui vont respecter les feux, la circulation et qui vont être plus mous entre guillemets. Que les autres fous furieux, je suis persuadé qu'on va être deux groupes scindés. Ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs dans la dynamique pour le spectateur au niveau du simulateur, parce que on risque de. Normalement, on va partager des objectifs communs, c'est-à-dire qu'on va prendre les mêmes missions, ce qui n'est pas une obligation là aussi, mais c'est ce qui est plus probable. Et on va voir la comparaison entre une conduite nerveuse, pourrait-on dire, de la part d'un moniteur d'auto-école, et une conduite éco-responsable posée. Et ce serait intéressant de voir les résultats statistiques à l'usure avec plusieurs épisodes. Très intéressant. Ça pourrait faire, je crois très honnêtement, une étude sérieuse. C'est une expérience à vivre ensemble qui, moi, me titille d'un point de vue curiosité intellectuelle. J'achète, j'adhère au projet. Mais bref, on sera là à discuter entre copains en mode radio, ce sera très bien. Un peu mode cibi, comme on disait dans le thème, dans l'ambiance. Alors je vous dis, attendez. Ce serait génial de partager un moment ensemble de ce jeu. Oui, mais ça va se faire, ça va se faire, ça va se faire. Comment tu le souhaites, 20h ou 21h? Comme tu veux, fun fan. Tu peux même couper la poire en deux, 20h30 si ça te dit. Je peux encore tenir encore jusqu'à 20h30 avant de manger. Mais là, je vous préviens, on passe une demi-heure à parler entre nous. Je reste en just chatting. C'est vous qui voyez. En tout cas, j'ai passé un très bon moment avec toi, le sage Vinci. Avec vous. Merci, Chris. Merci. Toujours un plaisir de te recevoir et d'interagir avec toi. Et moi, je me fais l'autocritique de pas malheureusement pouvoir passer souvent sur ton canal. Et à l'occasion de pouvoir me manifester chez toi, ce sera avec grand plaisir, Chris. Merci. Alors, pour ceux que ça intéresse, tu fais plutôt des jeux d'horreur, mais pas que. Généralement, tu diffuses le soir, en gros, j'ai bien en gros, de 20h, 21h jusqu'à minuit, voire 1h du mat. Mais là, évidemment, c'est plus mes horaires. Mais c'est bien. C'est bien, il en faut de tout, des goûts et des couleurs pour chacun. Alors, Nashelman qui répond à Inonet, on verra demain, mais j'ai pas encore mon camion. Oui, ça se fera. Oui, ça, c'est le début de carrière quand tu es pas encore indépendant. Ça viendra assez vite. Edge a le même problème. Hein. Il a déjà fait pas mal d'heures de route. Là, il a fait un premier rodage. Et ça viendra. Chris Golgot me dit, t'es une usine à clips. Oui, c'est pour ça que j'ai finalement, c'est imposé là également naturellement le concept des compiles. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai 1 heure de clip compacté en moyenne pour 3 mois de jeu. 3 mois d'antenne.
Donc c'est bien, ça fait presque 3-4 compiles par an. Ce qui fait que dans 10 ans, pour les 10 ans de la chaîne, ce que j'ai avec FunFan, je vous ferai une diffusion de 24 heures très spéciale. Les 24 heures de tous les clips, bout à bout, toutes les compiles. Je crois que si j'aimais encore dans 10 ans sur Twitch, on fera ces 24 heures-là, de fête. Voilà. Vous connaissez déjà le concept de mon 10 ans d'anniversaire d'antenne. On est déjà hors ma phase bêta-alpha. On arrive vers la première année, en fait. Hein. Je boucle au 1er janvier comme une entreprise. Bloom, ça va vite. Hein. Le temps passe vite. Carpus. Vous avez le jeu de la pêche pour les carpes. Non, tempus fugit, en latin. Le temps fuit. C'est-à-dire, voilà, on n'arrête pas la course inexorable du temps, comme on dit. Christelle Sage, Nancy FunFan, blablabla. Chris Golgot avec moi. J'ai passé un bon moment, ma foi. Oui, merci Olive, je suis ravi d'avoir pu te distraire. Merci à toi de t'être manifesté à nous. C'était cool d'avoir joué au Bibi, etc. De t'être manifesté dans le chat. Bon repas aussi, bon repos. Bon, voilà, je te souhaite le meilleur, évidemment, Olive. Bisous tout plein, merci à toi. Alors, un nouveau vote commence. Ah, c'est bien, t'as fait un truc, FunFan. La suite jusqu'à 20h30, 21h. À vous de choisir. Moi, je suis prêt à bavarder avec vous sur les sujets qui vous intéressent dans l'année qui suit. Pourquoi pas? J'ai jamais fait une antenne ouverte, vous savez, à bavarder, bêtement. À simplement bavarder avec vous. Si le concept vous plaît, moi, je reste ouvert, je veux bien. Vous me lancez un sujet de discussion. Alors, évitez les sujets lourds et graves, politiques, géopolitiques, ou les sujets clivants comme la religion aussi, c'est... Enfin voilà quoi, vous m'aurez compris. Des trucs légers, les fleurs, la lecture, la musique, les couleurs, je sais pas, voilà. Un peu de poésie. Je crois que tout le monde a besoin d'un peu de poésie à ce jour. Ça fait du bien. Ça nous vigorifie au niveau de notre essence humaine. Je philosophe. Mais voilà, quelque chose de bienveillant. Voilà, s'il vous plaît. Et je vous fais entièrement confiance pour ça. C'est bon la mousse. En temps normal, je ne serais pas aussi léger et poétique dans le verbe. Oh, bien d'ailleurs. On a Chevman qui vient de faire la piche. La piche. Non, là. La Chevman qui vient de faire... Ça va être clippé. Merde, pardon. La pêche, pas la piche, qui a extrait une omble commune. Soirée mousse, oui, c'est ça. Mais pas au bain douche. Là, c'est dans le gosier qu'elle mousse. La crotte ziflette. Moi, c'est vrai que, honnêtement, ton plat de tout à l'heure, Nacheman, que tu décrivais, je le connais pas. Hein. Et dans l'idée de la conception de des ingrédients, ça me plaît. Ça donne envie de se mettre à table. Non, non, c'est sympa, tes plats locaux. Tes mets locaux, comme on dit. Nacheman dit tempora mori, tempora mundis recorda. Je pourrais même pas traduire. La temporalité meurt, la temporalité... Ah, je suis pas bon en latin. Je pourrais pas traduire. Ça veut rien dire, mais l'effet reste le même. Merci, Nash. Il fait de l'occulte. C'est un mage démoniaque, Nash, en fait. Il cache bien son jeu. Il fait usage de langages interdits. Ah, mon Dieu. Oui, oui, il y a toujours des sujets qui fâchent à éviter. Oui, Olive, ouais, bah ouais. Oui, puis je suis pas là pour vous attrister. Parfois, j'ai la faute, malheureusement, de déraper sur des sujets graves, lourds et pas cool, quoi. Mais bon. Mais oui, 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 évidemment, j'invite. Oui, c'est la bonne mousse. Elle est très bonne, Christella. Non, mais tu vois que je tiens pas le... Alors, je peux pas vous... J'ai une photo en sous-verre, en cadre, de ma première prof de japonaise, Yukari, que j'embrasse, qui est adorable. Malheureusement, la vie fait que j'ai pas gardé contact avec elle, mais je suis nul pour ça. Et Yukari, si vous voulez, non, les Japonais ne tiennent pas l'alcool. Là, c'est l'inverse. On avait fait une soirée franco-japonaise, voilà. Et Yukari, elle, était une des rares japonaises qui tient l'alcool, mais bien, quoi. Elle a la chance d'avoir l'enzyme, en fait, dans le foie, qui digère l'alcool. Pas moi. Donc, en fait, les rôles ont été inversés. J'étais le français qui tenait pas, elle était la japonaise qui était toujours clean. Et vous savez, la soirée entre mon copain, on s'était pris le cylindre de bière, qui est ce qu'on appelle une girafe communément.
deux pintes de bière, moi j'étais. Alors la photo, vous avez Yukari qui est adorable, qui présente bien, tout sourire, normal. Ça aurait pu être une photo d'identité, vous voyez. Sauf le critère américain depuis les attentats, là, où on est obligé de faire la gueule ou d'être neutre, ce qui m'énerve, mais elle est toute sourire, adorable, Yukari, elle est bien. Elle présentait fraîchement, comme on dit. Et moi j'étais derrière, j'étais. Voilà, la photo, elle est collector. Mais j'ose pas vous la montrer parce que ça se fait pas de montrer à une personne qui souhaite pas. Mais c'est un bon souvenir de vie. Voilà pour l'anecdote. Mais je tiens pas le. C'est pour ça que je bois rarement de l'alcool. J'aime bien au niveau goût. C'est festif. Ça me procure du plaisir. Mais calmos, j'ai pas le foie costaud, moi. Faut que je me calme. C'est pour ça que finalement, la mousse, je la bois qu'une. Et encore, c'est même pas tous les week-ends. Je m'octroie un alcool de certains 1992, week-ends. Égalité, on va dire, à 20h30, comme ça la foire est coupée en deux. Oui, d'accord, pourquoi pas, ok, fun, pas de souci. On papote entre nous, vous lancez des sujets qui vous intéressent pendant 20 minutes, et puis merci à vous d'être là, on papote, voilà, moi je suis prêt à suivre ce qui vous plaît. Alors attendez, par contre, faut pas que je vous mette devant par rapport au chat. J'en étais où dans la lecture du chat? Heureusement que j'ai mon logiciel qui permet de remonter dans le fil des conversations. Chris qui dit, pour ceux qui ont vu, vous avez pensé de quoi de la fin des anneaux de pouvoir? Alors je pourrais pas dire, je suis pas fiction, le Seigneur des Anneaux, j'accroche pas du tout. Par contre, je crois savoir que Nashevman pourrait te répondre de manière passionnée. Il adhère à la licence. La jeunesse n'a point d'âge, pas beaucoup qui assaut. Merci Wisebot, c'est très juste. Nashevman dit, il faut arrêter l'alcool et entamer une cure à la chartreuse. C'est malin! Je te vois venir, Nash, c'est malin. Mais j'aime bien aussi la chartreuse. C'est vrai que c'est. Mais je crois que. Je sais. Mais laquelle. On avait parlé des différentes couleurs de chartreuse et des différents volumes. Mais je crois que c'est la verte dans le commerce que je connais le plus, comme j'ai envie de dire le commun des mortels. Mais ouais, la chartreuse, j'aime bien. Faut pas que je cède au truc, parce que c'est très très fort. Mais qu'est-ce que c'est bon. Re-sol. Merci à toi. Oh, il est mignon ton. Colix Lock là. Mon petit chaton, c'est un Maneki Neko. C'est le chat qui porte chance et fortune en Asie, au Japon. C'est mignon. Bastos dit, le sage, pour rendre l'antenne, tu tiens pas la mousse. Oui, je sais. Oui, c'est un peu spectacle particulier. La verte est la plus connue, oui, un petit 56 degrés de volume. Oh, il y a plus d'alcool que le reste. Oh là là, ça doit te rincer le système digestif, la violence. Je ferai une photo. Merci Nash. Je sais pas de quoi, de la chartreuse. Enfin bref. Saul Goodman qui s'adresse à Chris, qui dit plutôt sympathique, même si apparemment il y a beaucoup d'incohérences par rapport au livre. Ah oui, l'anneau, oui. Nash Evan dit un amateur du roi Lot de Camelot, surtout. Ah, d'accord, ok. Oh, d'accord, j'essaie de retenir tes préférences culturelles, ok. Olive qui tue. Pablo Picasso, d'ailleurs, dont c'est l'anagramme, je vous l'avais dit récemment, de Pascal Obispo. Il voulait être à la musique ce qu'était Pablo Picasso à la peinture. Qui était un gros crevard. Ah, j'aime bien quand tu balances trash, Olive. C'est là où je te retrouve, j'adore. Tu dégaines sans silencieux. Donc, Pablo Picasso, qui était un gros crevard, amateur de trop jeunes femmes et un pervers narcissique, qui a poussé... Ah merde, ça fait sauter ma lecture. Ah, qui a poussé à bout les différentes femmes qui ont partagé sa vie. Ah bah, il avait le pinceau très agité, hein, Pablo. Il savait plus où le loger. Il savait plus où faire ses projections. Ah non, c'est zappé. C'est horrible ce que je viens de dire. Pardon, censure. C'est horrible ce que je viens de dire. C'est atroce. Mais c'était une gaujoiserie offerte. J'ai dû choquer certains d'entre vous, excusez-moi. Non mais bon... Oh mon dieu, il faut que j'arrête. Et je vais avoir un incident, je vais me faire censurer. Il faut que j'arrête les mousses avec les directs. C'est horrible ce que je viens de dire. Mais c'est ça en plus. C'est horrible, mais c'est ça. Surtout que je me souviens que Pablo Picasso, dans sa biographie, il se vantait d'être espagnol. Et espagnol, c'est el toro. C'est tu charges. Donc la virilité, elle est. Wow.
Voilà, bon, c'est la culture. Oh mon Dieu! Je vais avoir honte quand je vais revoir ma rediffusion en étant imbibé, là. Pas bien. Pas bien, pas bien. Alors, attendez. Quoi? Le vote est terminé, le résultat est X-Files. J'ai pas suivi tous les votes, hein. Faudrait que tu m'expliques, Funfan. T'es le modérateur. Non. Pas fan de son taf en général, d'ailleurs. Bah oui, dans la peinture, Pablo Picasso, c'est pas mon favori. Moi, j'aime bien le local, un Vosgien. Merde, j'ai oublié le nom. Oh, il a une superbe peinture de forêt vosgienne, les conifères à la fenêtre. Magnifique. Je pourrais avoir un duplicata par le conservateur du musée. J'arrange les choses. Je veux ma copie du tableau. Message de FunFan 1992. Quoi? Le vote à une égalité 3 contre 3, du coup 20h30. Ok. Oui, il me reste 15 minutes à déblitérer des âneries. Ça me va. Le contrat est signé. Il n'y a pas de souci. Merde, je sais plus. C'est un peintre que j'aime bien, le Vosgien, là. C'est pas erré, c'est... Oh, je rechercherai. Je vous redirai spontanément, honnêtement, dans mon Discord. D'ailleurs, si je peux trouver sur Internet une copie de sa toile, elle est magnifique. Elle est magnifique. Mais oui, Pablo Picasso n'est pas mon favori. Il y en a d'autres... Bah tiens, parenthèse musée tableau. La dernière fois que je suis allé au musée avec ma famille, on a vu une artiste qui avait un pseudo moderne qui était Mad Mag, la Magali folle, Mad Mag. Une énorme toile, mais énorme. Elle est de la taille d'une nappe de banquet. D'ailleurs, c'est le cas, un banquet. Elle a parodié, vous savez, les noces de Cana. Donc Jésus et les apôtres. Donc c'est une grande tablée. Elle a fait, en fait, elle a dénoncé à l'encre de Chine le matérialisme, le système économique mondial humain qui est le capitalisme, et le fait qu'on se bouffe entre nous. Elle avait fait, en fait, les noces de Cana avec des hommes d'affaires, costard-cravate, vous savez, les riches avec les bagues au doigt, là, ils ont un smic à chaque doigt, voire au cou, enfin, ils se la pètent. Ils exhibent leur richesse. Et cette table, ils avaient tous des têtes d'insectes. Il y avait des cafards, il y avait des écrevisses. Il y avait quelque chose qui répulsait. Alors il y a une forme de beauté dans la nature au niveau des organismes qui était normée. Ils n'étaient pas difformes, ils n'étaient pas malades. Mais il y avait quelque chose de nocif. L'œuvre était magnifique. Une énorme toile, mais énorme. La taille d'une remorque de camion. Mais réelle, hein, réelle la taille. Énorme, ça faisait tout un mur du musée. À l'angle de Chine. Et ma nièce qui fait la remarque. Et tonton, tu sais qu'il y a un texte au niveau de la table? Je dis, tu déconnes. On voit les plis de la nappe. On se penche sur le tableau. Un texte qui a été rédigé par l'artiste. En fait, ce que je croyais être les plis de la nappe, c'était à l'angle de Chine. Il y avait un vrai texte en bon français qui était rédigé tout le long du tableau. Il y avait l'équivalent d'un chapitre de bouquin. C'était la nappe de la table de la parodie des noces de Cana. Mad Mag. Je ne sais pas si on peut trouver la référence sur Internet, mais je vous la conseille. L'œuvre monumentale. L'art moderne, respect. Il y a des artistes. L'inspiration, la maîtrise de l'œuvre, magnifique. J'ai complètement perdu le chat. J'en suis à 2h10, j'ai pas tout lu. Pardon, je suis en train de vous mettre des vents. Oh, j'arrive plus à suivre, vous écrivez trop. Je vois Chris qui s'est fendu la poire sur mon lapsus de la piche. Attendez. J'essaie de ne pas vous mettre devant. Naonette, soirée mousse, c'est discussion entre potes autour d'une bière ou d'une boîte de nuit. Piste de danse remplie de mousse savon. Oui, il y a un peu des deux, ouais, comme dit Nash. Chris qui répond à Sol, je suis mitigé, autant j'aimais pas du tout le truc. Ah oui, l'anneau, là, le Seigneur des Anneaux. Lire Tolkien, une capacité de lecture d'un enfant, blablabla, le vote. Nash Eman, tu coupes la couvre en deux, machin, comme Moïse avec la mer, ouais, c'est ça. Nash qui dit, pas vu la série, quitte à faire mal autant voir tout d'un coup. Nash qui s'adresse à moi, qui me dit, la verte est encore... Et la plus connue, oui, la petite à 56 degrés de volume, ouais, un truc de fou. Nash et Mani, il y a plus de 100 plantes surtout. Waouh!
Waouh. Bref, c'est la liqueur, c'est une liqueur naturelle. Alors, Saul qui s'adresse à Chris, qui dit: il y a beaucoup de twists assez prévisibles, comme l'identité de certains personnages aussi. J'ai beaucoup régalé les vidéos de Captain Popcorn concernant les théories et mieux comprendre la lore. Ah oui, un youtubeur ou équivalent qui analyse la série et qui donne son point de vue. Oui, c'est intéressant ça aussi. Ça pousse et ça mousse. Oui, mon cher Twinsen. Parce que le biscuit, oui, écran large, il donne un lien, les anneaux, machin. Saison 2 est déjà en tournage. Je fais pas de clip, merci fan. Oh mon dieu, Dina Chevman, vite un clip. Non, ça y est, on l'a perdu. Oui, je confirme Christella. J'essaye justement de vous retrouver parce que j'arrive plus à suivre dans le chat. Oui, c'est vrai, c'est prévisible beaucoup de choses. C'est immonde, trop de bien, mort de rire, dit Olive. Oui, pardon, Olive, oui. mais pardon, dans la symbolique, c'est ça, hein. C'est ça. D'ailleurs, la peinture, c'est une projection de l'esprit. C'est juste le média qui est le pinceau qui vous permet de matérialiser votre pensée dans la physique du monde réel. Et c'est une projection. Littéralement, le mot était le bon. Corrigez-moi. Mais je suis confiant par rapport à ce que j'ai dit. Mais c'est ça. Pardon du parallèle. Mais c'est ça. C'est extraordinaire. Ça donne vie à quelque chose. Et oui, ça concrétise dans la réalité, c'est magnifique quelque part, avec le recul, hein, d'un point de vue philosophique. Saul Goodman, Chris Golgoth, n'hésite pas à venir en message privé si tu veux parler de spoil. Blablabla. Chris qui me dit le sage, allô, allô, le sage est perdu dans le houblon. Oui, il est bon le houblon, il est bon. Il est bon, je vous remercie. Imbibé tel Bob l'éponge, oui, tu viendras m'essorer, hein, tu une scène. Message, blablabla, vote égalité, oui, 20h30, il me reste 10 minutes d'antenne, courage. Dans 10 minutes, je pourrais m'effondrer. Ah, comme me rassasier ma pizza, je rassure Fun Fan, j'ai de l'énergie à revendre et j'aurai avec enthousiasme et dynamisme de quoi commenter ton X-Files. Avec grand plaisir d'ailleurs, parce que tu sais que j'aime bien la... Pour une fois que j'aime bien une œuvre de fiction qui passe à la télé, ça tombe bien. Chris qui répond à Saul, dit hey, « ça marche pas ce soir quand je suis en antidouleur, restez... » Oui, Chris, repose-toi, t'as le genou explosé avec le coup du pylône, là. Ouais, dur. « Pourquoi est-ce qu'on trouve tout sauf des gants dans la boîte à gants, dit une scène ?»« Pas chez moi. » Oui, c'est vrai que la boîte à gants porte mal son nom, parce qu'elle a été conçue à la base pour des gants de manipulation de mécanique en cas de panne, et que c'est devenu un fourre-tout par rapport au bolide qu'on conduit aujourd'hui au jour le jour et qui sont fiables. Il faut le reconnaître. Bien que complexes, nos véhicules sont fiables comparés aux premiers prototypes des années d'après-guerre. Ou même d'entre-deux-guerres, d'ailleurs, que je ne dise pas de bêtises dans l'historique de l'automobile. Fun fan. Bonne soirée, courage. Ah oui, quelqu'un nous a salué. Oui, Chris, bon courage. Un propre rétablissement pour la douleur au genou. Oui, on pense tous à toi. Oui, oui, non, mais c'est vrai, c'est pas cool, cette histoire. C'est squinté au boulot, merde. Déjà, dans la vie courante, les accidents domestiques. Alors, en plus, si le boulot, c'est pour que tu te fasses rétamer, non, merci, quoi. Si on compte les moutons pour dormir, qui compte les moutons? Ah, j'aime bien ton approche, tu une scène. Ah, si on compte les moutons pour dormir, que comptent les moutons? Les moutons, ils comptent les brins d'herbe qui peuvent brouter. Pause wawa à nouveau. Oui, non, mais il n'y a pas de souci, Olive. Tu fais autant de pauses que tu veux. Je vous laisse aussi. Je vous laisse aussi, dit Bastos. Je cours me restaurer. Bonne soirée à tout le monde et très bon dimanche. Oui, merci. Alors, bon courage à toi. Je sais que tu vas bosser demain, dimanche. C'est la fin de ta période de repos, la fin de tes congés, Bastos. Bonne app dans l'immédiat à toi. Bonne nuit. Et... ouais, bon courage à toi demain. Je devine qu'en nous, on fera mumuse au camion. Toi, tu vas parfois hurler derrière ton chariot de marchandises à dire « Poussez-vous les mecs, je dois livrer un client. » Ça, là-dessus, c'est con, mais de temps en temps, depuis que tu m'as donné l'image de ta contrainte principale au boulot, j'y pense régulièrement. Je te vois, je t'imagine dans le corridor de la galerie marchande en train de dire « Les mecs, poussez-vous, poussez-vous. » C'est chiant. Je te plains. Enfin bon, chaque boulot à chaque poste a ses tares. Mais bon. Alors Christella nous dit, je vais manger aussi. Bonne app, oui c'est l'heure, je vais pas tarder aussi. Moi je me voterai sur la pizza. À 20h30 quand je fais le relais de chaîne à Fat Fan, avant X-Files, je vais même pas préchauffer mon four, je vais être un fou, je vais foutre la pizza direct à froid dedans.
Et je la sors en un quart d'heure chrono et je la gobe. Je la mâche même pas, je la gobe. Non, je déconne, ne faites pas ça, c'est pas bien. Il faut prendre le temps de savourer les choses et sinon c'est l'indigestion. Prendre le temps de mastiquer. Tu te souviens, ça fait l'objet d'un clip et de la compil précédente, Twin Sen. Tu m'avais taclé sur le terme français sous Half-Life. La mastication et pas autre chose, cochon. Et t'avais raison. Alors, Twin Sen pose encore une grande question philosophique. Alors que ma feuille de gribouillé de Solus de Gordian Rooms vient de se replier naturellement en deux sur elle-même, ça m'a fait flipper. Il y a des fantômes. Question philosophique de Twin Sen, je présume, pourquoi est-ce que Tarzan est rasé de près alors qu'il a une longue crinière? Ah oui, mais ça, c'est le côté... Oh là là, tu abordes un sujet de la libido et de la... Comment on appelle ça? De l'esthétique humaine. Eh oui, l'attraction des contraires, mais sur un seul et même sujet. Choisir en fonction, d'ailleurs c'est vrai, choisir en fonction des individus, rien que le visage, oublie le reste du corps, juste le visage. Tu gardes, en tant qu'homme, pardon pour mesdames, hein, en tant qu'homme, tu gardes la moustache, tu gardes la barbe, tu entretiens ta chevelure si tu peux, hein. Moi j'ai tout perdu, hein. Ou presque, comme vous le savez. Mais non, mais c'est important, la savoir paraître et la construction du visage. Et, mais ouais, de la bonne gestion de la pilosité naturelle, vas-y, toi. Rien que pour le visage. Oh là là, dur. Je vais manger. Bah, bon app, Chris, oui, bon app à vous, bon app à vous tous. Oui, c'est normal, c'est l'heure de passer à table. Bon app à vous. Et là, non, je suis arrivé à terme, à bout de mon chat. Il me reste 4 minutes d'antenne à tenir, j'ai plus rien à dire. Enfin, vous avez pu lancer de sujet. Je vais poster les photos du plat. Ah, c'est gentil. Merci, Nash. Ah oui, ça va nous donner faim. Tu vas nous faire saliver. Hein. Twin Sen, allez, encore une question. Oui, merci, Nash. C'est très gentil de ta part. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, d'ailleurs, ce serait... Oh, tu lances quand tu veux, Fun. Mais merci à toi. Qu'est-ce que je voulais dire? Merde, le culinaire, Nash, le plat. Je serais presque tenté, pas maintenant, mais à terme, ce sera pas perdu dans mon Discord, de reprendre ta recette, ne serait-ce que la photo, de me renseigner justement, de trouver la recette. Il y a des sites spécialisés sur internet comme Marmiton, je crois, marmiton.org, mais il y a plein de recettes de cuisine sur le net. La manière dont tu m'as présenté le plat avec les ingrédients, ça me donne faim. C'est une combinaison qui devrait me procurer du plaisir par rapport à mes goûts. Donc, je serais tenté d'expérimenter ta recette dans un avenir pas proche, hein, pardon, parce que j'ai la chance déjà d'avoir le frigo plutôt bien garni en ce moment. Ça se fera. Je te fais la vocale. Oui, merci, FunFan. Oui, prépare. Je vais me connecter à ton Discord et puis je vais commenter avec grand plaisir ton X-Files. Naonet, je vais lancer un sujet super, blablabla, voilà. Qu'il est bête, ouais. Oui, non, mais vous connaissez avec mon bavardage naturel. Je suis très surpris. Je suis très surpris avec les âneries que je débite bien imbibées. Il y a une part de mocheté quelque part du fait que je sois imbibé. Je crois que j'ai battu mon record d'audience. Merci à vous d'être là. C'est pas le spectacle le plus noble et le plus sain que j'ai à vous offrir, mais bon. Si le concept vous plaît, oh, une fois, une exception n'est pas coutume. Mais je vous remercie d'être là. C'est bien, je suis ravi que je puisse vous distraire. Je suis même surpris parce que je me trouve plutôt saoulant comme mec. À parler sans cesse comme un poste de radio qu'on ne peut pas éteindre. Mais bon, évidemment, vous avez le droit de zapper quand vous voulez. Ça me rassure, mais je suis surpris. Je vous cache pas que je suis surpris que je puisse attirer du public en bavardant comme ça, en effusion de l'esprit, en roue libre. Alors, Twin Sen nous dit, jusqu'où les chauves se lavent-ils le visage? Alors, tu rigoles, mais en fonction des morphologies de visage, moi j'ai vite fait de faire déraper mon gant de toilette le matin, en partant de la base du visage, et je remonte presque vers l'arrière, parce que c'est bête, mais ça se voit peut-être pas. Alors, moi, j'ai dans mes propriétés morphologiques, enfin morphologiques, c'est pas le bon terme, physique de mon corps, mon organisme, je sue beaucoup. C'est chiant de suer. C'est chiant pour beaucoup de choses.
D'un point de vue hygiénique, c'est pas top. D'un point de vue social, c'est pas top. Surtout avec la foutue pandémie, quand vous suez un peu, vous avez des gouttelettes sur le front, comme c'est mon cas, quand il fait plus de 20 degrés. Pestiféré, il est contaminé, faut pas que je m'approche. C'est horrible, mais c'est ça. C'est chiant. Je m'y accommode, c'est la vie, tant pis. Mais le gant de toilette, crois-moi qu'il dérape jusqu'à presque l'arrière de la tête, parce que comme c'est une piste d'atterrissage à mouches que j'ai là, bah ça s'entretient aussi. C'est pas parce que j'ai pas presque plus de pilosité, et encore j'ai trois, on va dire une dizaine de cheveux rebelles sur la calvitie. Enfin, c'est horrible, c'est ridicule, mais c'est la nature, quoi. C'est même pas une belle une touffe à la Titoff fournie en cornes de rhinocéros. Évidemment, c'est pas le cas. Je pourrais avoir éventuellement du style, mais non, j'ai un truc à la sauvage qu'il faut débroussailler régulièrement. D'ailleurs, je passe le rasoir en dehors de la moustache aussi parfois sur le crâne. Parce que sinon, je présente dégueulasse. J'ai trois cheveux rebelles qui partent. Puis pas des petits cheveux, hein. Tu peux l'enrouler en. Comment on appelle ça? Pas coton-tige, comment ça s'appelle? Les rouleaux pour les cheveux, là, c'est des. Bref, vous m'aurez compris. Enfin bref, ça fait, c'est ridicule, ça s'entretient. Enfin voilà, bref, vous m'aurez compris. Mais oui, ça part presque jusqu'à l'arrière, mon gant de toilette, le matin. Oh, t'es pas obligé de rédiger la recette, Nashefman, jusque-là, mais c'est gentil à toi. Déjà que les photos, c'est sympa. Parce que ça va nous faire saliver. Saul nous dit, il n'y a plus la récompense de points de chaîne pour proposer un relais de chaîne. Ah, je l'ai peut-être désactivé. Je l'ai peut-être désactivé dans des circonstances. Peut-être parce que justement, finalement, tu vois, dans mon format de calendrier, je me suis habitué à faire un relais de chaîne à l'ami FunFan. Tu sais qu'on est très liés. Et voilà, on est deux compères. On est un peu comme cul et chemise. Et bon, voilà. Oh, un poisson-chien. Je me souvenais pas que ça existait, le poisson-là. Ah ouais. Oui, un poste de radio houblonné. Merci, Olive. Merci. Les gens sont. Oui, bon, bah, Nash, oui, mais ça, c'est la nature humaine, le fait de pas. Il faut tout pour faire un monde, hein. Bon, voilà, faut philosopher aussi. Si on mouille une amande, c'est toujours un fruit sec. Et qu'il est bête. Bigoudi, merci, Nainette et Olive qui tuent. Merci, Bigoudi, c'est ça. Vous avez trouvé l'objet. C'est bien, vous êtes marrés mutuellement parce que vous étiez quasiment dans la même seconde. FunFan me dit, je lance mon direct. Oui, c'est l'heure. Là, c'est vrai, c'est l'heure. C'est l'heure syndicale, merci. Pas de souci, dit Saul, je comprends parfaitement. Oui, non, mais cool, merci. Mais oui, c'est vrai qu'elle a plus trop d'intérêt l'option de vous laisser choisir le raid. Le raid, j'arrive plus à prononcer, c'est une horreur. Je parle une autre langue. Je parle le houblon. Et encore, j'ai pas fait la ponctuation avec les ro, vous savez, les. Pourquoi, même après avoir perdu toutes nos données, on fait toujours pas de sauvegarde? Non. Là, tu ne scènes, j'invalide ta dernière affirmation parce qu'il y a des traumatismes. Si, il y en a, il y a des traumatisés. Non. Oh, dans ma carrière, crois-moi que je peux te donner des témoignages de personnes qui ont pris l'habitude de sauvegarder une fois qu'ils ont perdu, ou ne serait-ce qu'une fois leurs données, qu'ils ont perdu des mois de boulot. Et ça pleure, hein. Parfois, il y a des pertes. J'ai vu un cas, alors pas moi directement, un confrère qui m'a raconté. Moi, j'ai pas eu à le traiter. Ça m'aurait emmerdé d'ailleurs humainement de réconforter le mec, parce qu'en gros, c'était un entrepreneur. Je sais plus s'il avait des subordonnés, des salariés en fait. C'est terrible quand tu as des salariés et que du jour au lendemain, tu dois virer, c'est atroce. Bref. Entreprise informatique et il a fait le con, c'est-à-dire qu'il s'est fait avoir au niveau de sa sécurité, n'était pas robuste au niveau de son entreprise et il s'est fait crypter les données par un pirate. Donc c'était ce qu'on appelle un ransomware, demande de rançon pour restituer les données de l'entreprise et tout y était passé. C'est-à-dire que sa sécurité était foireuse, c'était une passoire, tout y est passé, c'est-à-dire la compta, les documents émis, officiels. Même la production, je sais plus ce qu'il faisait dans son entreprise, j'ai oublié. Mais j'ai regardé le principe et le mec du jour au lendemain, il savait qu'il était mort. Même s'il payait la rançon, chose qu'il faut pas faire, qui est pas encouragée, parce que de toute façon ils sont du fric les pirates et ils vous font la nique, ils vous restituent pas vos données, ils vous donnent pas la clé de décryptage, ils vous laissent dans la mouise et c'est des drames humains. Parce que voilà, du jour au lendemain, il savait que son entreprise était morte. Il était dans l'illégalité, il pouvait plus présenter son cahier
de compta, au niveau de, même pas que les employés, au niveau de l'URSSAF, mais au niveau de la compta en général, là, les impôts, là, en général, enfin, l'administration, la bureaucratie française, n'était plus dans les clous, ouais. Il savait qu'il était mort. C'est horrible, c'est horrible. Le mec, il en pleurait, quoi. Sa vie était ruinée, c'était fini, il ne pouvait plus être patron. Il savait en plus derrière qu'il allait être mécaniquement condamné pour avoir merdé, être en défaillance d'entreprise. C'est horrible. Et non, c'est. Oui, c'est horrible comme histoire, mais ça arrive. Ça arrive en France, aujourd'hui encore. Vous avez des petits patrons qui sont entubés au niveau de leur sécurité informatique, ils sont pas dans les clous, ils sont mal conseillés, ils sont mal encadrés. Et ils perdent tout du jour au lendemain. Et parfois, c'est des entreprises familiales qui sont coulées. C'est. Je parle que de notre beau pays, la France, mais partout dans le monde, c'est. Oh, c'est la troisième guerre mondiale, elle est en cours, elle est sur Internet. Hein. Bon, je veux pas déraper sur un sujet déprimant. Bon, c'est le côté sombre de mon métier de technicien informatique, mais faut pas se voiler la face. Hein. C'est chiant, c'est. Oh, faut s'accrocher à notre époque. C'est dur, dur. Faut s'en tenir à des principes de manière stricte. C'est saoulant, c'est lourd. Il y a ce qu'on appelle la charge mentale. C'est usant pour les humains. Et c'est pour survivre, c'est terrible. Pour survivre, c'est t'as des contraintes obligatoires et ouais. Voilà, je suis navré de faire une conclusion aussi trash. J'aime pas finir sur du pas joyeux. Pourquoi on met des fleurs sur les tombes alors que ça meurt plus vite que les humains? Ah, ça c'est la poésie de l'existence. Que nous soyons des éphémères à ne vivre qu'un jour ou 100 ans, l'âge idéal que par défaut, comme disait Fun pour un humain, c'est dans les belles phrases philosophiques, dans un périple, le périple de la vie de l'existence, philosophons un peu. Voilà, on va finir avec une belle note poétique. Dans le périple de la vie, quels que soient vos projets, votre voyage, déjà Oscar Wilde disait « Visez la lune, si vous loupez votre objectif, vous finirez dans les étoiles ». Ça, c'est beau. Et c'est vrai. Et encore plus profond encore, en philosophie, poésie, au niveau de l'expérience de vie, comment dire, j'aime bien la philosophie, hein, vous l'aurez vu. Mince, la mousse est en train de me faire disjoncter les neurones et les synapses, et j'ai plus la phrase. Oui, c'est pas la destination qui importe dans le voyage de la vie. C'est pas la destination. D'ailleurs, dans la vie, si on compte dans l'existence, la destination finale, c'est malheureusement la mort. C'est pas joyeux, mais ça a son sens. C'est le voyage. C'est le voyage qui est beau, jour après jour. Carpe diem, savourer le jour présent comme si c'était le dernier. Magnifique. Nous sommes une mémoire à souvenir, des mémoires de souvenirs partagés, joyeux ensemble. C'est ça, c'est magnifique. Viser la lune, c'est pas plutôt Amel Ben dit Fun Fan. Oh, on n'a pas les mêmes lectures. C'est malin. Mais oui. L'émoticône de Saul Goodman, elle est excellente. Le c'est beau, mais ça vient de chez quel canal c'est beau? Forza c'est beau. Elle est géniale ton émoticône. Elle est extra. Non mais c'est vrai, sérieusement, c'est vrai. Il faut. Olive qui tue qui est en larmes. Mais non. Non mais voilà, moi c'est ce que je me dis d'ailleurs au quotidien pour positiver. Parce que c'est vrai que l'époque elle est dure, hein, elle est difficile. Et non, il y a une formule que j'aime bien, qui me décrit un peu mon caractère d'ailleurs. C'est observe le monde. Ça c'est très beau. Observe le monde avec tes yeux d'enfant autant que tu peux. Mais agis en adulte responsable lorsque tu le dois. Belle philosophie de vie, n'est-ce pas? J'en ferai presque ma devise. Ça, j'adore cette manière de penser. Tant qu'on peut se marrer, parfois dans l'excès. Non, je ne peux pas dire, parce qu'il faut savoir rester raisonnable et pas se mettre en danger, ni soi, ni autrui. Mais tant que, voilà, peu importe le fait, qu'on pourvu qu'on ait l'ivresse, mais de manière raisonnable, raisonnée, voilà, pour qu'il n'y ait pas préjudice après. Savourons, festoyons. Et
Mais après, évidemment, les vicissitudes de la vie font que parfois on doit faire des choses à contre-cœur. Bon, voilà, je vais pas vous apprendre voilà, au niveau de maturité, mais c'est. À partir de quelle heure on dit bonsoir? Oui, quand tu regardes par ta fenêtre et que tu vois que le crépuscule est en train de s'animer, tu peux déjà dire bonsoir. Voilà. J'ai l'impression que quoi? L'archétype personnifié du signe Sagittaire sur la chaîne de Damien Secret, lol. Blablabla. Alors là, ta propos m'a fusillé le cerveau, Olive. Je vois pas l'archétype personnifié. Je vois pas le signe du Sagittaire non plus. Et encore moins la chaîne de Damien Secret. Comment on peut rire de nervosité, pleurer de rire? Oula, la névrologie, enfin, ça se dit pas névrologie. Enfin, l'étude des nerfs au niveau humain, c'est complexe aussi. Bon, bref, on va faire relais de chaîne à FunFan. Au secours, FunFan, sauve-moi. Je suis parti dans un monologue de complètement fantasque, j'ai envie de dire. Attends, mais t'as lancé. Oui, tu manges et tu fais ton direct, Bastos. Non, mais il n'y a pas de souci. Je viens de voir le texte que tu as léché chez FunFan. Oui, non, mais bon direct à toi, Bastos. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, il faudra que j'essaie de te faire un petit coucou. Éventuellement, je sais pas si on pourra peut-être faire. Je sais pas qui c'est qui va finir en premier ce soir entre toi, Bastos, ou FunFan. Je pense que l'un et l'autre, vous risquez de vous faire un relais de chaîne. Ça va être mignon, sympa. Mais bon direct à tout à chacun, d'ailleurs. Il y a peut-être d'autres d'entre vous qui vont. Pardon. Qui vont faire leur relais de chaîne ce soir. Leur relais de chaîne aussi. Et leur direct ce soir. Profitez bien de l'expérience Twitch. Bonne soirée tout à chacun. Alors, je te fais l'appel en vocal et après je lance. D'accord, merci. Oui, je veux bien. Là, parce qu'on part à la longue dans le. Alors, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Eh oh. Oui, j'ai entendu ton oui. Ça va. Je t'ai pas assommé, mon pauvre. Je vais lancer mon stream maintenant. Et bonsoir à tous et à ceux qui suivent le raid. Voilà, je te laisse finir. Ah, une conclusion, c'est-à-dire merci à vous d'avoir été là. Je crois que je peux regarder rapidement mon historique de chaîne par rapport aux événements. Si je peux me reconnecter à ma coulisse, voir ce qu'il y a eu. J'ai un certain LePro4613 qui m'a suivi, merci, bienvenue. Il y a Baltisor627 aussi tout à l'heure qui a un peu joué au Bibi, merci et bienvenue. Et Sasuke8969 aussi qui en a fait de même, merci, merci, merci. Je suis flatté, merci à vous d'avoir été là. Après, je crois que j'ai pas eu d'événements spéciaux aujourd'hui sur ma chaîne. Je peux saluer tout de même Petit Seb Live qui m'a fait l'honneur d'un relais de chaîne et je le remercie. Il faut que je vois aussi ses rediffs à Petit Live. J'ai pas le temps, mais il fait des choses qui m'intéressent. Il y a eu Bastos qui m'a fait un relais de chaîne, mais il y a 6 jours de ça. J'en remonte trop dans l'historique, j'oublie. Mais merci pour le principe, ça fait toujours plaisir, évidemment. Voilà, rien de particulier à dire. On va se retrouver chez FunFan pour faire du X-Files, voilà. Donc j'aurai du commentaire à faire. Alors, pas la première heure, parce que là, je vais décanter un peu de ma bière. Je vais un peu redescendre de mon nuage soporifique, on va dire, et philosophique. Je vais savourer ma pizza aux chèvres, quand même, s'il vous plaît, que je remplisse mon estomac. Et voilà, je vais animer avec grand plaisir, comme bien des samedis soirs, à commenter chez FunFan du X-Files, une série que j'aime bien, voilà, comme vous l'aurez compris. Alors, archétype, dit Olive, ça se prononce archétype. Bon, bah, il faut que je rouvre mon dictionnaire, moi, j'ai des mots à apprendre. Archétype personnifié. Ah, tu m'ouvres des horizons intellectuels nouveaux, Olive, merci. Ah, que je lise ça. Bonne soirée les amis, prenez soin de vous et à très vite, nous dit Saul Goodman. Merci tout plein, merci à toi aussi, bisous tout plein, merci à toi d'avoir été là. Néonette répond à Olive, j'achète 3 melons au marché, qui est l'âge du capitaine. Mon Dieu, mon cerveau a bugué, j'arrête de lire. On entend un petit peu le fan. Oui. Alors j'ai baissé son son, je respecterai demain. J'ai respecté son son au niveau de Discord. Pourquoi? Parce que je repasse aux oreillettes, ça me permet d'avoir un équilibre des voix pour le camion quand on discute tous entre nous. Jusqu'à maintenant, j'avais des directs de camion où ma voix était très basse et les autres très hautes. Ce qui fait qu'on m'entendait plus. Pour un maître de cérémonie, c'est un peu ballot. Alors j'aime bien me mettre en retrait. J'apprécie aussi de mettre en lumière les autres. Mais là, c'était trop déséquilibré, c'était pas cool. Ça cassait la discussion, on savait pas
comment je relançais la discussion, et les autres répondaient, ça faisait un peu décousu. Donc j'ai rectifié l'erreur grâce à Neynonet et Edge Club vendredi soir, en privé. Vous verrez quand même la diffusion, je vous mettrai sur YouTube, j'ai enregistré, mais c'est plus tard. Et c'est mieux comme ça, c'est mieux comme ça, c'est mieux pour vous, et moi je m'adapte. Ouais, ouais. Va manger, va éponger. Oui, merci Olive, t'es adorable, il n'y a pas de souci. Tout sera 100% plaisir, il n'y a pas de souci, tu l'as vu. Pas très grave, bonne soirée à tout le monde, soirée les gens. Non, quoi? Quoi? Mais c'est pas français, Olive. Arquette-pi. On dirait du rap. Yo, arquette-pi. Voudou. Et je vais ouvrir mon dictionnaire. Arquette-pi. C'est français, ça? Arquette-pi. On dirait agressif. On dirait le vilain qui va cracher un molar. Ouais, ouais, quoi? Qu'est-ce que t'as, toi? Quoi, peu? Arquette-pi, peu. Archétype. Ah, merci. Ouais, voilà, Baudel. Archétype. Lui, t'y arrives plus non plus. Ah, archétype. Voyelle. Oh, ce boxon. Oh, je vais avoir honte de me revoir sobre, posé, le direct là en semaine. Je vais avoir honte. Vous me verrez pas souvent comme ça, hein, je vous préviens. J'encrasse souvent des molars aussi, oui. Non, mais franchement, ça fait l'effet là, je suis désolé. C'est flippant. Alors, fan, mon Dieu. Ça y est, tu diffuses. Mais pourquoi j'ai pas ton signal? Bah, normalement, j'ai un onglet sur... Oh, mon pauvre. Attends, je vais accélérer les choses. Merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. On se retrouve chez FanFan. Pour ceux qui suivent pas, bon week-end. Bisous tout plein. Oh, faut que j'arrête de faire le mariole, moi. T'es où, FanFan? T'es là, X-Files. Allez, go. On lance le raid. Dans 10 secondes, le relais de chaîne se fait. Oh, oh, je vous quitte sur le bruit. Le bruit indécent. Oh, oh. Oh, la dernière goutte. Allez, bisous, portez-vous bien. On file chez FanFan pour X-Files. Sinon, moi, je vous retrouve demain matin sur du Final Fantasy. Allez, prenez soin de vous. On a fait les foufous, ça fait du bien. Bisous, bisous. Aïe, 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 n'importe quoi. Je sens qu'il va être collector, ce direct. N'importe quoi. Bonsoir à tous. Et bienvenue pour ce stream.